Et yo tout le monde, comment allez-vous? Ça va ou quoi? Colas, merci beaucoup pour ton 28e mois, merci beaucoup Luxotora pour ton 13e mois, bienvenue à vous. Comment allez-vous, chat? Bon, j'ai réussi à me libérer un peu avant. Donc on va voir. J'espère que vous allez bien. Ah, attendez. Hop, hop. Ah, attendez, on m'appelle. Je vous remets de la musique. Bon, on m'appelle et puis on raccroche. Super. Bon, et si on mangeait un coup avant de tomber là? Hop. Clac, clac, clac. Ah, bon, on me rappelle. On va y arriver.
Ouais, excusez-moi les gars, j'arrive, hein. C'est pour le boulot, donc compliqué, compliqué, mais j'arrive, hein. J'arrive, j'arrive. Ça vient de couper en plus, donc je vais voir si ça, si ça rappelle, sinon on commencera. J'arrive. Bon, ça a coupé, c'est pas grave, ça va rappeler. En attendant, quoi de neuf, chat? Tout va bien? Ça y est, on était à côté d'un panneau fixe sur Your Accent. Il était où? On était là, non? Ah ouais, MDR. Alors, qui c'est que j'ai pas? Merci, merci Golems pour ton 19e mois, merci Crips pour ton 25e mois, merci Juni pour ton 27e mois, merci beaucoup. On va y arriver, chat, hein. Ça prend un peu de temps, mais c'est le boulot donc. Renps, merci beaucoup pour ton Prime, bienvenue à toi, merci beaucoup. La reprise du taf fait mal, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Attendez, je retente. Ouais, désolé. Allez, c'est parti. On traîne plus. Je bois un coup et on y va. Alors, je crois qu'on a reçu un message. On a reçu un message, mais je pense qu'on va faire un peu de forcing. Yo, Tums, comment vas-tu? On va faire un peu de forcing. Parce que regardez le message, les gars. On va essayer de tout faire pour ne pas attendre le 2 septembre. Oh, ça va mieux surtout. Et toi? Bah écoute, ça va, ça va. Je rentre du taf. Oh là là.
marque fort les voitures. Yo, des caddies. Allez. On va voir. Ils vont me demander de repasser 100%. Faut qu'on change ses sourcils là. Ah, c'est sûr à 100% les caddies. Moi je m'étais pété le poignet donc bon, j'ai loupé deux courses. Ah merde! Comment t'as fait pour te péter le poignet? Parce qu'ils attendent samedi, attendre une semaine là. Foutre comme un con. Ah, terrible. Terrible. Et bonsoir. Je viens parce que je suis passé il y a quelques jours pour un Ouais. recrutement. On m'a demandé de Oui. repasser pour finaliser ça, parce que la candidature a été retenue. On m'avait demandé de repasser soit hier soir très tard, soit aujourd'hui. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Joao Soares Padilla. Merci. Oui, j'ai un... Sur une frappe, je me suis retourné le poignet. Mais tu joues avec les pieds, tu joues pas avec les mains. Vous avez un sergent de la formation qui arrive, monsieur. Eh bah parfait, merci beaucoup. Ah, pas de soucis, pas de soucis. Ça va et toi, Lionel? Oh, désolé, je reste pas, mais bonne soirée, bon courage, hein. Ouais, de même. Merci. Bonjour, sergent Parks, que puis-je pour Et vous? bonjour. Alors, comme je disais à la collègue, j'ai reçu un message comme quoi ma candidature a été retenue. Et hier, je suis passé, on m'a dit que c'était un peu le bordel et qu'il fallait que je repasse aujourd'hui. D'accord. Attendez, je regardais ce que j'ai. Ouais, ma carte d'identité. Vous pouvez me la donner, après, je pense pas que ma collègue ait inventé votre nom, mais Non. montrez-moi toujours, oui. Parfait. Vous avez eu d'autres informations par message ou vous avez eu que ça? Bah, je suis passé hier. Et là, ce matin, en me réveillant, on me demande de savoir si samedi 02 septembre. Mais D'accord. du coup, comme on m'a demandé de repasser aujourd'hui, je repasse aujourd'hui aussi, quoi. Et du coup, est-ce Enfin. que vous êtes dispo samedi 02 septembre? Ouais, je suis dispo ce soir aussi. Oui, après, si on vous a proposé le week-end prochain, je pense que ça sera pas disponible avant le week-end prochain, du coup. Ah oui. Ah oui, sinon vous aurez proposé plus tôt. Ah bah je sais pas, peut-être que le collègue y était pas. Bah globalement, en une semaine, on va avoir quelqu'un qui est capable de vous recruter. C'est pas le souci, ça va pas être le recrutement, ça va être le process. T'es où cette info, sergent? Quelle info?
Le recrutement de monsieur le Dans le joueur 2. 3 en 1 en août, il est marqué qu'il est accepté au LSPD et qu'il est en attente d'un retour. J'ai pas, c'est pas moi qui ai envoyé le Bah oui, message, donc. c'est. Ouais, c'est bien. Vous, c'est de qui vous vient le message, monsieur? Alors, Je suis pour je vous voir avoue que le. j'ai pas le nom, mais c'est 5874. Plus curieux. Ça doit être la matricule qui a été notée. Ouais, d'accord. C'est 14. Oui, c'est ça. Mmh. Après, attendez, bougez pas. Je regarde s'il est présent ou pas. Non, il n'est Pas pas présent. l'impression. Il est pas présent. Moi, malheureusement, je peux pas vous dire plus que ça. Les recrutements, ça se fait plutôt le week-end pour des raisons pratiques et de formation derrière d'un suivi efficace de nos cadets. Malheureusement, il est pas là. Je peux pas voir avec lui s'il avait quelque chose de plus à dire là-dessus. En l'attente, s'il vous a 17, je suis proposé le samedi, à la c'est banque. qu'il n'y avait pas de Marine. place ouverte avant samedi prochain. Ok. Mais si vous voulez, je peux prendre un rendez-vous du coup pour le samedi qui arrive. Bah, de toute façon, s'il n'y a pas le choix, oui, on va le faire, oui. Vous avez un instant pour moi, sergent? Oui, je reviens dans une seconde. Oh, ça fait long, hein. Mais bon, c'est comme ça, les gars. Wolf qui va sauver, peut-être, hein, peut-être. Je sais pas où Loulou. Je sincèrement, je sais pas. Je sais même pas ce que c'est cette tenue. C'est quoi la tenue, les gars? C'est le SWAT, ça? On l'avait dit qu'on n'était pas patient. Donc ça va, hein, c'est avec le lore du perso. Hein. Ah, c'est ça, Rem. Ok, à nous deux. J'ai bien Oui. confirmation du coup du responsable des recrutements que ça sera pour le 2 septembre pour des Ok. histoires de rythme. Ça marche. Du coup, je peux vous donner un rendez-vous. Attendez, attendez une seconde parce que j'ai le commissaire qui est en train de On va peut-être être sauvé par envoyer un message au Nevus. même endroit, donc peut-être qu'il va revenir dessus, j'en sais rien. Je vous dis ça dans une Ça seconde. marche, Sinon, y a pas de souci. on pourra se dire samedi 2. Je crois que le dernier rendez-vous,
c'était fait à 16h, si je dis pas de bêtises. Je vais peut-être confirmer quand même avec lui pour être sûr. Nevus, sauve-moi. Ah bah peut-être que ça va bien se passer finalement. Ah. Oui, bah, le commissaire a dit on y va, donc Ah, bon, bah, merci. Je contacte quelqu'un, un membre d'état-major, pour pouvoir vous faire votre recrutement. Merci à vous. Ah, merci. Merci, Nevus. Alors, attendez, je vous demande encore une petite seconde, du coup. Le lieutenant Maldwin va s'occuper de vous. Oui, pas de souci. Ensuite, vous aurez un agent qui s'occupera de votre FI, la formation initiale. Mais il vous expliquera tout ça, il n'y a pas de souci. Très bien. Et bah, merci à vous. Et bah, pas de problème. Si on peut accélérer les choses, c'est aussi bien pour vous. Simplement, c'est une grosse machine à faire tourner, donc malheureusement, on est obligé. Ah, oui, je me doute, ouais, je me doute. On est obligé de refuser des gens ou alors de leur mettre des délais. Sinon après, on se retrouve. Avec plus d'agents non formés que d'agents formés, c'est très compliqué de tenir le terrain dans ces conditions, évidemment. Je me doute. Ok, et bah sur ce, je vous laisse avec le lieutenant, moi, on m'attend. Ouais, pas de problème, bonne soirée à vous. Et bonne soirée à vous. Alexandre. J'ai hâte de commencer cette petite aventure. Je sais pas vous, chat, mais j'ai hâte de commencer. Hey, bonjour, monsieur Sorès. Hey, lieutenant. C'est ça, hein, lieutenant? Oui, c'est ça, lieutenant Maldwin. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, ça va. Vous me suivez du coup? On va pouvoir passer Je vous suis. Traitement.
Allez, c'est parti. On s'est passé la rentrée, ça bienvenue va. Bienvenue au SPD du coup. Merci. Hop, on va aller juste dans le bureau ici. Hop, alors. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de recrutement. Je vais peut-être prendre un peu de temps. Vous inquiétez pas, tout va bien. Y'a pas de problème. Donc est-ce que je pourrais avoir une pièce d'identité déjà s'il vous plaît? Ouais bien sûr. Hop, tenez. Donc monsieur. Ouais. Votre numéro de téléphone c'est 85 38. 85-38. Ouais. C'est ça ? Ok, parfait. Alors, hop. Je vais vous prendre une adresse mail s'il vous plaît. Joao Suarez Padilla okay. At discord.gg. Parfait. Alors, je vais vous envoyer un document. Il faudrait que vous le lisiez. T'as vu, ça avait halluciné quand il avait essayé de revenir à FDO, on lui disait partout attendez 60 heures, puis après 60 heures, revenir au centre. Ah ouais, chaud. Je suis l'aventure de Kurt en tant que FDO, mais jamais sur 21, sauf les Marshall avec Alex, donc ça va être full découverte. Ok, bon, on va découvrir ça ensemble. Comme quoi le culot a payé. De ouf, on y est allé full, en full talent. Vous avez fait en sorte qu'on puisse vous envoyer des mails du coup? Ouais, normalement on peut m'envoyer des mails. Attendez. Je vais essayer de vous chercher sinon. Je suis très fatigué. Une question un peu indiscrète, c'est quoi votre prénom? Oui, James Maldwin. Ah, excusez-moi, j'ai pas entendu le... Oui, James Maldwin. Ok. Je vous ai trouvé. Nickel, parfait. Alors, je vais vous envoyer un document, du coup, faudra bien le lire. Et puis après, une fois que vous l'aurez bien lu, je vous laisserai me le dire et comme ça, vous pourrez me réciter votre serment. Ça marche. Bon, du coup, si vous y aviez bien accès. Ouais, je confirme. Alors. Vous voulez que je lise tout de suite ou je vous lis le serment non, tout de suite? Vous pouvez lire le serment tout de suite. Ok. Déjà on sera bon.
Ok, bon, je vous le lis. Allez-y, à votre voix. Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elle m'impose. Je me conformerai strictement aux ordres reçus dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je promets de faire preuve de droiture, de dignité, de prudence et d'impartialité. Je m'engage à ne faire qu'un usage légitime de la force et des pouvoirs qui me sont confiés et à ne révéler ou utiliser de ce... Alors, attendez. À ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de service de mes fonctions. Et il est pas simple, vous inquiétez pas, on a tous un peu buté dessus. Parfait, je vous laisse lire dessus, je vais en profiter du coup pour vous donner votre badge. Tac, et vous porterez le matricule 31 au sein du LSPD. 31, très bien. Voilà, parfait, bienvenue. Je vais également en profiter pour vous envoyer l'accès à notre intranet. Toulouse représente. Ok. Si vous avez des questions. Actuellement, non. Ok. Ça viendra certainement plus tard, ouais. Mais... C'est ça. De toute façon, partez vraiment de l'idée que si vous avez la moindre question, il ne faut pas hésiter à venir voir n'importe quel agent, soit au gradé, soit même des plus bas gradés, ils auront sans doute les réponses pour vous aider. Ok. Ça vous intéresse. Je vous ai envoyé du coup le lien vers notre internet. Ouais, c'est tout bon. Voilà, normalement tout devrait bien se mettre à jour. Ouais, il faut juste que je... Ouais. Hop. Alors, au sein de votre intranet, normalement, vous avez un groupe de canaux qui s'appelle Information. Oui. Ok. Dedans, vous, le premier, vous avez marqué Général. Alors, attendez. Pas tout de suite, dites-moi. Ouais. Et dans Général, je vous laisse remonter un petit peu plus haut à un message qui date du 16 juin, avec marqué Fiche de poste et code de déontologie, c'est ce que je vous ai envoyé. Ok. Et si c'est ok pour vous, je vous laisse juste checker, comme quoi vous validez. Et ok. Vous, Eh ben, c'est bon. Parfait. Et ensuite, tout le reste, c'est moi. Donc, la petite annonce pour annoncer votre arrivée. Hop, et puis tout le reste. Donc là, on va commencer par une formation initiale. Donc vous allez avoir un agent, un sergent en l'occurrence, qui va vous faire la visite, qui va vous faire passer la deuxième partie de votre PPA, présenter tous les canaux, tout ce dont vous allez avoir besoin. Et okay. Puis après, vous pourrez partir en patrouille du coup. Ça marche. Pour le PPA, oui, j'ai pas eu encore le rendez-vous avec le médecin. Je leur ai envoyé le dossier il y a maintenant 4-5 jours. J'ai toujours pas eu de convocation. Ok. Ça devrait pas être trop grave. Ok. Bon, je vous laisserai voir ça avec les responsables de la formation. Ouais, mais, ça marche, pas de problème. Et puis on verra là-dessus. Est-ce que vous avez des questions ou autres du coup? Du tout. À 10-5. Eh bah parfait. Eh bah écoutez, j'appelle. Un 3 pour 22. 10, 4. Monsieur Gerton. Rien du tout. Pourquoi?
Greg Furious, merci beaucoup pour ton 15e mois. Merci, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Il est connu de chez nous ? Ah, je sais, je t'en parle après. Je te rappelle. Non, mais je suis en recrutement, donc je te rappelle après. Excusez-moi 2 secondes. Pas de problème. Allez, parfait. Allez, merci. Plus tard. Allez, venez avec moi, on va trouver quelqu'un en tant que... Yo Jordan ! Vous allez bien ? Ça va. Dites-moi, vous êtes occupé, Adam, ou pas ? Bah, avec 22, je vais m'occuper, c'est la... Ah, vous occupez de la formation ? Oui, moi j'ai jamais fait, donc il faut attendre qu'il revienne sur mal de tête, mais... Et il s'est réveillé, attendez. Bah, parfait. Et bah, écoutez, quel SOS, du coup, officier Adams ? Enchanté. Et puis, officier Adams va faire votre formation initiale avec le sergent Wolf. Très bien. On se peut déjà aller changer ou bien... Peut-être faites le tour du PDP. Oui. Faites-lui un petit tour du PDP. On peut déjà mettre l'uniforme vu qu'on a à côté du vestiaire. Puis après on peut. Et puis, pendant que vous pouvez mettre votre uniforme, donc le vestiaire c'est la porte qui est juste. Allez, ça marche. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit somme rapide comme ça, derrière vous aurez toutes les notifications. Faites directement dans le vestiaire, comme ça. Ouais, j'ai plein de trucs sur des radars, etc. Les messages entreprise. C'est aussi des messages d'entreprise. Du coup, faites une petite sieste dans le vestiaire. Ça marche. J'attends là. Faut qu'on fasse un truc pour les sourcils là, ça va pas. Ça va pas du tout. Oh, le document que j'ai, enfin qui m'a envoyé. Ah, va y avoir la lecture chat, hein. Petite question. Oui, dites-moi. Je vois pas la boîte avec les tenues cadets. Vous prenez une tenue d'officier. Officier, ok. Oui, ça c'est marche. Ça. Et bonjour. Ah, il manque des tatouages, hein. Eh ben nickel, je vais me changer aussi parce que bon, les mal de tête c'est terrible. J'arrive. Bonjour. Soit ça pourrait faire une tenue BE comme ça, mais. Ouais, peut-être sans la G36. Ouais, la G36 va pas bien avec le BE. Ok. Et voilà, et bah écoutez, je vous laisse le cadet entre les mains. Il entre en main, incroyable. Il est exactement, tout est bon de mon côté. Parfait. Et voilà, et bah écoutez, bonne formation initiale, Soares, et bonne formation. Merci. Merci beaucoup. Ok, du coup, enchanté du coup, c'est Soares votre nom, c'est ça que je viens d'entendre ? Soares Padilla.
Juste soirée, ça va? Ça va. C'est une question, hein. C'est vous. Ah ouais, voilà. Ouais, ouais. Bon, ça respecte. Ou pas de là, n'importe, comme vous préférez. Nickel, okay, okay. Vous avez la chance, vous pouvez choisir. Très bien. Elle, c'est Officie Adams, celle qui va se charger de votre formation. Moi, je m'occupe de la former à vous former, oui. Ça, c'est important. Et puis ensuite, il y a quelqu'un avant ça qui m'a formé à former des gens, pour former des gens. Ah, c'est beau, le Remix Cube. C'est beau, c'est beau. Du coup, on a un petit dossier pour ça, vous l'avez déjà vu, Adams? Ouais, je pense que là, je suis en train de lire en même temps. Ouais, bah, faut que je pense que tout ça, il a déjà dû faire le lieutenant, tout le reste, tout ce qui est administratif, j'imagine. Ouais, ouais. Faudra vérifier. Matricule, après, il a aussi déjà, on l'a déjà aussi 31. Donné un matricule. 31, terrible. Bac me manque. Je pense qu'il a déjà dû donner l'accès. Vous avez déjà l'accès à l'intranet, etc. À l'intranet, ouais, affirmatif. Intranet Discord, ok, parfait. Sur l'intranet Discord, on va commencer par ça. Vous avez quelques petits dossiers que vous pouvez ouvrir. Côté d'information, c'est-à-dire information, vous l'avez là? Oui. Vous avez le guide du bon policier, c'est là que ça se trouve. Pourquoi moi je la trouve plus là? Oh, j'ai... Moi je suis bon le pire policier. Avec les... Okay. Formation initiale, voilà, je l'ai. C'est laquelle qu'on utilise? Celle-là? Ou celle-là? Non, à valider 24 août. Non, ça c'est que c'est pas encore validé. Ok. Du coup, Adam, je vous laisse faire. Et puis on voit si jamais j'ai des trucs à ajouter. Hein, ça va. Ah oui, poum. Bon, il faut les papiers terminés. On a mis à tous les services. On l'a fait. Ouais, tout à fait. Messagerie, c'est fait. Visite, hein, a priori. Bonsoir, mes respects. Bon, on va commencer par la visite, du coup. Et bonsoir. Sœur. Bon, peut-être commencer par l'entrée et puis on va faire le tour, ou bien... Ouais, on va commencer par le tour. Vous avez bien lu, on termine par l'armurier, hein, ça va. Ah, j'ai pas le PPA. C'est Vincent, mais... Okay. C'est pas... On fera les la formation pratique. M'ont pas donné de... Okay. Ouais, on fera la formation pratique à l'usage. Vous aviez déjà fait le test psychologique, hein. Non, ils n'ont pas su me donner de rendez-vous. Ok, de toute façon. En attendant, ce sera au taser, en fait. Puis après, une fois que vous aurez le test, on fera la formation, oui. Ça marche. On va gagner du temps, parfait. Nickel. La partie, du coup, la visite. Yep. Bon, on va commencer. Bon, on va commencer depuis l'accueil, je pense. Oh, on commence ici. Bon, ouais, une fois qu'on est là, le vestiaire, vous avez déjà vu, c'était là. Oui. Je crois que sur la gauche, c'est une salle d'archives. D'accord. Bah, salle d'archives. Ouais, on l'utilise jamais, sauf parfois, il y a des gens qui veulent parler, ils savent, ils savent pas où aller, ils vont à la salle d'archives. Mais sinon, c'est pour mettre des dossiers, évidemment, c'est très important. Ouais. On aime ça, les papiers, oui, voilà. Ok. Vas-y. Enfin, voilà. Donc là, une petite salle de presse, mais surtout ça du coup pour le commandement et les EM, pour les interviews, etc. Bien pour les communiqués. Hein. Ok. Donc généralement nous on va pas l'utiliser, mais ça je savais que c'est là. D'accord. Moi qu'après on sait jamais, d'un coup peut-être que vous allez monter, mais avec le temps. Mais bon, ça sera pas entre cadet, c'est vrai qu'entre cadet et état-major, il y a quand même un sacré bout de chemin, oui. Alors. Après là, c'est juste la porte en fait pour pour aller à la réception à l'arrière, mais généralement on va directement devant, donc on veut aussi pas l'utiliser. Ou après, juste derrière nous, là c'est tout l'open space, hein, de nos bureaux. C'est qu'on en hiver, tous les dossiers en cours ou c'est que. C'est aussi là qu'on attend en hiver, mais en été, aussi, on est oui, plutôt oui, sur le parking en général, c'est plus proche. Bref, vous avez... On s'est déjà vu à droite, là c'est le bureau du commissaire, aussi l'état-major, qu'on fait les entretiens. Okay. C'est pas compliqué, vous rentrez pas dans son sauf si on vous dit rentrer dedans. Ouais, très bien. Et, monsieur, là on a... Du coup, si la petite salle de pause aussi, ceux qui a la cuisine, si vous prenez un petit café ou autre aussi... Si vous voulez, vous pouvez déjà prendre aussi un peu à manger, à boire dans le frigo pendant qu'on est là. Ok. Puis aussi, je crois, les médicaments qui sont ici. Hein.
Si vous voulez aussi peut-être prendre un petit stock de médicaments, généralement. Pour au moins deux chaque, moi je conseille d'avoir au moins deux chaque, comme ça. Dans le ouais, pour le repas, vous faites... Enfin, comment ça marche? Vous en prenez... Enfin, combien? Ça dépend. En général, on prend ce qu'il faut pour le service. Après, si on fait un service qui est plus long, on repasse quand on a besoin. Oui, pas au choix. Mais... Moi, je prends généralement un 10-20 en début de service. Il y en a des qui prennent moins, mais... Voilà, c'est ça. Pour plus de 10-20, au moins, mais... plus de 10-20, c'est du zèle. 10-20, ouais, après, c'est la bouffe ou la boisson? La bouffe, 20 boissons, généralement. Vous êtes arrivé quand? Vous comptez du 1 pour 2. Je suis arrivé quand, officiellement, il y a 2 jours, à peu près. D'accord, pas de soucis. Et médicaments, vous avez dit combien de... 2-3 de chaque. À peu près. Ça dépend. Ouais. Moi, je prends généralement 2 de chaque. Vous pouvez prendre un peu plus, si vous voulez. Mais... Après, les mouchoirs, je pense qu'en ce moment, on les sert pas tellement. Mais ça, c'est plus quand il fait un peu plus frais. Antidoule, antibio. Au moins en avoir un. Oui. Les mouchoirs, ils sont pas ici, de toute façon. Mouchoirs et pansements, ils sont dans le stock sec. Parce que là, c'est froid. Ça marche. Donc, là, c'est... Oui. Ah oui, non, oui, c'est le frigo, oui. Juste, moi, j'ai encore l'habitude, quand j'étais à la SASP, on avait tout, en fait... Au même endroit, on n'avait pas les médicaments, Adam, pas les médicaments fini, dans le frigo. Fini, mais... la SSP, Adam, non, mais j'ai toujours dit qu'en fait, j'ai trouvé bizarre que les médocs, on les mettait dans le frigo. Le mais... frigo, direct. Enfin bref, c'est pour ça, moi c'est qui fait. Gère ça. Ils sont prêts. D'un coup, si vous voulez faire une petite pause, donc on dit un D6, vous pouvez venir aussi ici, soit ici ou bien une autre salle de pause en haut, qu'on va vous montrer aussi après. D'accord. Ok, bon, on y prend la suite. Juste rapidement, la porte ici, c'est, bon, du c'est coup, la, porte, la porte latérale pour les parfois les livraisons, c'est là que ça se passe. Oui, voilà. Ok. Oh, pas de mal. Si tu le dire, mais y a pas de mal. On est parti. Je pense qu'on va dire, on va aller en bas, puis en fait, les pièces qui seraient là-bas, en fait, on va aller en dernier parce que c'est là-bas qu'il y a l'armurerie, etc. On va faire en haut en premier. On va faire en haut en bas, et puis ensuite, égal, mais... quand on ira en bas, on fera depuis le parking arrière vers le haut. Montre... Comme ça, on fait tout ce qui est saisi, cellule, etc. C'est ça, en faisant d'abord le chemin de mise en garde à vue. Voilà. Ici, on a une petite salle de réunion aussi. Conférence, des fois, on prend aussi les dépositions qu'on peut prendre ici quand. Normalement. Il y a des endroits qu'on peut venir faire les dépositions, ça vous verra aussi au moment venu quand on ferait la première. Ok. C'est une sortie de l'autre côté, là, on va traverser. Et juste ici, c'est la salle de dispatch. Donc si on vous dit rendez-vous en salle de dispatch, c'est ici qu'il faut venir. Ah, je l'ai pas dit avant qu'on commence, mais quand on est dans le PDP, on essaie de toujours penser à chuchoter parce que là, c'est bien. Là, on est plus d'une vingtaine en service. Il y a beaucoup de monde qui passe par le PDP, on va se péter les oreilles, quoi. Ok. On parle discrètement. Allez-y, Adam. Quand vous dites rendez-vous salle de dispatch, du coup, c'est ici. Hein. Ok. Après, c'est vrai que ça vient. Bon, ici c'est pas trop compliqué, après c'est en bas où il y a un peu plus labyrinthique. Moi au début j'ai un peu de la peine à m'y retrouver, mais avec le temps on finit par s'y faire. C'est vrai que nous on a le plus grand PDP là des trois services, donc enfin voilà. On va ressortir du coup aussi par là. C'est parce qu'on est les meilleurs, ça. Salle de pause. C'est normal. Qui est juste ici, là où c'est que. Vous voulez faire le deuxième pause, ouais. Aussi, du coup. Okay. Ce qu'il faut au distributeur. Puis aussi des fois quand l'autre salle est prise, on peut aussi faire éventuellement des positions ici aussi. Oui. Puis le petit canapé sur le bout là, c'est là que je fais ma sieste l'après-midi parfois. D'accord. Important les siestes. Allez-y, on speedrun les pièces qui restent là, comme ça on avance. Oui. Moi, je crois que le haut j'ai tout fait là. Non, il reste la pièce là. Venez repart ici, regardez. La pièce qu'au fond là, vous y allez que si on vous dit d'y aller, c'est là que travaille le bureau d'enquête, du coup classé secret défense. Et l'escalier qu'il y a au milieu, c'est l'escalier qui mène au toit, et c'est là où on sort l'hélicoptère qu'on appelle Hector. C'est un toit, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des murs, et puis en haut du mur, il y a un sol, et ensuite dessus, on marche dessus, et ça fait un toit. C'est incroyable.
Je crois que j'en ai déjà vu, donc c'est bon. Vous avez déjà vu des toits, ah ouais. Vous êtes fort. Vous avez dit à la formation, à l'entretien, que vous avez déjà vu des toits, c'est pour ça qu'on Non, ils m'ont pas posé la question. Ah, je comprends. Ah ouais, non, je garde quand même 2-3 surprises. Ah ouais, nickel, parfait, on est parti du coup. On va voir pour le garage, pour le parking, et puis ensuite on va traverser par la haie, là, le petit raccourci vers le parking arrière. Et comme ça, ensuite on fera le chemin de mise en garde à vue, et puis on montrera le reste d'en bas. Ouais, ça marche aussi. Alors, parce qu'ils ont déjà montré, c'est déjà mis. On a le parking juste ici pour y mettre votre véhicule. C'est déjà dans. Je sais pas si ça avait déjà là. Je pense la panto pour le moment. Ouais, j'en ai plus. Enfin, j'en ai pas. D'accord. Plus d'essence. Donc, Du coup, ici, c'est le parking qu'on appelle parking souterrain. Et alors, vous verrez, les véhicules, ils sont garés un peu plus loin là-bas au niveau du rectangle jaune là. Ouais. Vous pouvez aller voir. Ouais, ça y est, mais normalement, Gérard, il doit accepter de vous parler maintenant. Donc, vous pouvez mettre des véhicules personnels, puis on a 2-3 autres aussi. Et là-dedans, vous voyez, il y a différents véhicules. Il y a les véhicules personnels des agents, vous verrez, ils sont tout en bas de la liste et avec des Z avant. C'est pour s'assurer que ça ne vienne pas déranger les autres trucs. Bon, généralement, pour le moment, vous n'aurez pas besoin de les sortir. Et alors, vous savez que ça. Adams, vous pouvez lui parler des petits trucs qu'il y a avant, là, les véhicules. Les petits tags. Oui. Ah oui, pour vos véhicules aussi. Mettez la pensée aussi à mettre un petit Z au début, que soyez en bas de la liste. Hein. Si vous mettez un véhicule comme ça, okay. On sait que les véhicules personnels sont en bas, on ne mélange pas avec les autres. Et les premières sont celles du LSPD, c'est ça? Ça envoie tous les véhicules personnels, il y a le nom, puis il y a un petit Z devant, en fait, comme ça met en bas de liste, puis on mélange pas tout, on s'y retrouve. Ok. On va sortir par la porte là-bas, comme ça on va montrer le parking qui est de ce côté-là, et ensuite on ira de l'autre côté pour aller sur l'autre parking et montrer le chemin de mise en garde à vue. Et puis on montrera toutes les autres pièces d'en bas après, ça va ? Le procureur, je vais récupérer 2 armes qui nous ont pris hier. Ça crie en dessous, au-dessus. Je connais cette voix là. J'en ai entendu moi. Amilo ! Raka, merci beaucoup pour ton vrai sèvre, bienvenue à toi, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une sérigraphie ici hein? Ok. Véhicule sérigraphié aussi, on met les gros véhicules d'intervention, du coup plutôt les briquettes, c'est le gros camion et le bus pénitentiaire dans ce coin-là. Ceux qu'on peut pas descendre en bas. Ouais. Donc c'est généralement tout ce qui est sérigraphié et moto en plus aussi. Hein. Donc les véhicules principaux de patrouille que vous utiliserez, c'est Buffalo CX. Ouais. Ça c'est le véhicule le plus classique de patrouille. Il y en a pas qui sont sortis là. Et puis sinon les autres vous apprendrez au cas par cas. Il y a pas de souci. La pompe essence du coup aussi. Qui est juste là. D'accord. Pompe essence c'est que aussi cas d'usage personnel. On fait pas le plein avec nos véhicules personnels. Ouais, logique. Non, c'est cas d'usage professionnel plutôt. Oui. C'est ces deux, ça va pas faire. Du coup on fait juste pas le plein avec nos véhicules personnels, sinon après vous évitez de vous faire engueuler si on vous voit faire ça, donc on évite. Ouais, ça marche. Si, okay. Et si c'est juste engueuler, c'est que vous avez de la chance, nickel. Ouais, ok. Parfait. Bon, il y aura la suite. Ouais, j'arrive vite fait. Bon, on prend le petit raccourci. Bon, normalement, il y a aussi une entrée de l'autre côté, là. Bon, on peut faire le tour, un petit raccourci, là. Vous voulez qu'on passe par là, donc... Du coup, là, c'est l'entrée arrière, où c'est qu'on amène les gens quand on les amène en GAV, en fait. On les fait rentrer toujours par l'arrière, ici. Ok. Puis après, du coup, on peut passer par ici, où c'est qu'on arrive directement tout dans les cellules, en fait. On va vous expliquer qu'on garde toujours les véhicules. Ça ne fait rien, voilà. Je ne l'ai pas précisé, voilà, mais oui, effectivement. Voilà, c'est un peu évident, mais de manière générale, toutes les voitures que vous conduisez au Lespidi, vous les gardez toujours prêtes à démarrer. Et évidemment, ça vaut aussi pour nos parkings. Comme ça, quand on doit partir, on part, en fait. Ok, ouais, logique. Oui. Ah, let's go. Voilà. On peut voir la suite. Du
coup on arrive ici. Si on continue tout droit, on revient en fait en bas à l'entrée du parking. Ok. Du terrain. Là juste à droite, on va montrer y aller. Cellule. Juste avant ça, ici. Oui. Dans cette pièce, il y a juste un truc important à savoir, c'est que quand on est sur des histoires qui concernent des civils qui vont éventuellement venir au poste, qui sont récupérés après, braquage de banque, ces histoires un petit peu coriaces, là, un peu prise d'otage, tout ça, ça peut arriver qu'on va récupérer les personnes directement nous-mêmes et qu'on va les amener par ici, par en bas. Le problème, c'est que là, vous voyez, il y a une vitre. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce que lorsqu'on amène quelqu'un en garde à vue, s'il y a des victimes qui doivent arriver au PDP, il ne faut pas qu'ils se croisent par la vue ici, donc on ne traîne jamais dans ce couloir. Avec les prévenus, j'entends. Ça marche. Allez-y, allez-y, continuez donc. Du coup, l'intérieur cellule. Du coup, la porte à droite, bon, en faisant les photos, que les détenus peuvent se changer en fait ici. Ouais. Puis quand il n'y a pas aussi sur le casier ou pour une mise à jour, on peut les mettre juste devant ici. Ok. Normalement, ils passent par là avant d'aller des cellules pour se changer. On fait aussi la petite fouille à cet endroit-là, si ce n'est pas déjà fait. Ouais, on sait ce endroit-là, plutôt à l'accueil, à l'entrée, là. Pas dans la salle. Et... enfin, voilà. Et alors, il y a juste la liseuse de billets aussi. Par ici, Adams. Vous avez la pièce ici. Ce serait que... c'est le truc classique qu'on oublie tout le temps. Hein, qu'on oublie tout le temps, celle-là. Surtout ça c'est du matériel. Pas fait la visite, vu que j'avais fait une mutation, mais j'oublie. Ça, c'est du matériel hautement professionnel d'espionnage de la CIA, n'est-ce pas? Ça ressemble à un téléphone, c'est une liseuse de billets. D'accord. Ouais, ça, c'est incroyable. C'est que là, qu'on peut vérifier les fonctions, quoi. C'est ça, c'est ça. Vérifier les billets, si on a des billets marqués ou bien s'ils sont clean. Vous pouvez aussi appeler le président des États-Unis tant que vous avez son numéro. Ouais, alors je vais éviter. Je ne le connais pas de toute façon. Après, moi, j'ai pas son numéro. Personnellement. Moi non plus. Je l'ai rencontré une fois, mais. Ah, c'est vrai que je m'étais. Ah ouais, moi, j'étais sur le convoi hein, quand il est venu ici. Là. Bref, continuons. Non. À l'époque, j'étais officier, je gérais la tête de convoi, terrible. Moi, du coup, aussi. Les cellules, là, après, il n'y a rien d'extraordinaire à vous montrer, mais... Bon, du coup, vous devez aussi avoir le... vous avez aussi donné les clés pour les clés des cellules ici, donc pas de souci. Ok, ça marche. Vous verrez au moment où, c'est que vous montreront comment ça se passe les GAV, quand il y aura une occasion, etc., avec une personne, mais... Ouais. Au début, vous serez toujours entouré, il faut pas... De toute façon, vous serez toujours accompagné au début, donc pas de souci. Hein. Ok. Ok, on avance. On va pouvoir passer du coup à côté. Il y a des. Alors, je pense qu'on peut aussi la montrer celle-ci. Oui. Bon, là, c'est là qu'on met les. Depuis là, les c'est là en gros, pour l'identification. Voilà, on s'en fout. On fait quasiment jamais, mais le genre on va savoir. C'est là. Deux fois, mais... Si, oui, mais bon, c'est pas. De l'autre côté, en fait, il y a une autre porte où c'est qu'on met la personne. Centaine. Identifier pour être discret. Donc. Je vois le concept. Typiquement, c'est le genre de situation. Il faut pas qu'ils se croisent de l'autre côté, quoi. Vous voyez. Oui. C'est pour ça qu'on eux, on les ferait rentrer de l'autre côté, donc. Voilà. Ok. Ici il y a deux salles en fait d'interrogatoire avec à chaque fois la vie de Santin. Ouais. Mais voir là ce qu'on les amène puis la vie de Santin donc ils peuvent pas nous voir depuis l'autre côté. Non, on peut les voir de ce côté de l'autre côté mais eux pas puis du coup on a deux, il y a celle-ci et celle de l'autre côté hein. Pour la deuxième là du coup c'est pareil, on va pas vous la montrer. OK. Il faut toujours dire aux personnes, toutes les personnes qui sont dans la salle d'interrogatoire doivent faire attention à parler normalement. Mois, et pas chuchoter parce que sinon on ne peut pas les entendre correctement de l'autre côté de la vitre. Ok. Du coup, la porte du fond, celle-là, c'est en fait. Attendez, il y a la radio qui parle tout en même temps. De l'autre côté de la vitre, du coup. C'est l'autre côté pour l'identification, la porte du fond. Mais... D'accord. Une pièce où c'est que vous allez passer de temps en temps aussi, si vous faites arrêter un peu des malandrins. La pièce des saisies ici. Ok. Du coup, dans ce côté là, c'est tout ce qui est dire objet illégal, drogue ou autre. Ouais. Regardez. Gère. Ok. Et passer juste de l'autre côté.
Ah, si. Ouais. Et si c'est tout ce qu'on met aux armes, soit armes à feu ou armes blanches en fait, ou objets à rendre qu'on a saisi le temps de. Ok. Ça va prévoir aussi le moment venu quand vous ferez vos premiers saisies. Voilà. Du coup, je crois que pour le bas, j'ai rien oublié. Mais non, c'est bon. Ouais, non, on a fait tout. On est parti. Ok, bah, on va pouvoir retourner en haut à. Vous avez montré dans les saisies les deux types les saisies oui, j'ai montré. Ok, on est parti, on est parti. Tributeur ici, c'est. Ouais, tiré ou pas. Celui-là, non. Oui, bon, celui-là, si, puis après, il y a l'autre. Mais bon, moi, il me l'a montré aussi à la visite, donc. Après, j'ai jamais essayé de retirer personnellement, donc je peux pas dire, mais. Quand je fais de l'argent, je vais banque centrale directement pour être sûr qu'il y a assez de sous. Non. Parce que je suis riche. Alors, juste à gauche les sanitaires. À droite, les toilettes. La salle du SWAT. Devant. Oh, pardon. Aussi, il y a aussi des douches si vous souhaitez. Ah, bonne soirée, Riménez. Prendre une douche avant de rentrer. Mais... Non, on est bien équipé à ce niveau-là, nous, au niveau sanitaire. Ok. Alors, et l'autre côté, là, c'est la salle du SWAT. Ouais. Donc là aussi, vous rentrez seulement si on vous demande de venir, vous suis invite. Voilà. Tant que vous n'êtes pas membre du SWAT, en fait. Ok, et. Ici, il y a un petit laboratoire. Allemands, on l'utilise plus quand les médecins viennent pour des dons de sang ou autre. Hein. Qu'on n'a pas forcément encore d'équipe. J'ai perdu le terme. Médico-légal ou non, c'était pas ça. Ok. Ouais, je vois l'idée. Ouais, non, vous voyez l'idée, mais j'ai perdu. Ouais, mort, oui. Enfin, bref. Il y a un deuxième ATM aussi. D'accord. On sera plus celui-là qui sera plein. Et après, on arrive aussi sur le stand de tir. De toute façon, je pense qu'on va aussi voir après pour le. Je suis plus sûr, mais il y a une petite formation taser hein, aussi, du coup, avant de partir. Hein. Moi, en fait, je me demande dans quelle mesure on ferait pas la formation pratique complète du PPA, tout en partant du principe qu'il n'aura pas le droit de l'utiliser avant d'avoir son test psy de validé. Mais je vais confirmer cette information, comme oui. Ça on fait pas de bêtises. Ça. Non, bah déjà. Parce que c'est nouveau ce principe. Je m'occupe de ça rapidement. Bah, du coup, on peut déjà voir pour le pactage, tout ça. Dans l'armurerie qu'on okay. A encore montré. Oui, on va montrer du coup la dernière pièce, l'armurerie. Alors, de ce côté, tout ce qui est pactage, il y a aussi en plus qu'on a. Les médicaments, il y a les mouchoirs et les pansements aussi en plus. Ok. Ou déjà regardé, mais. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà donné la liste pour le matos, mais. Non, mais je dois l'avoir sous. Ouais, je crois l'avoir aperçu quelque part. Vous avez donné déjà le guide du bon policier ou pas encore? Bah, justement, je l'ai consulté un petit peu. D'accord. Sinon, je vais vous l'envoyer. Là, normalement, il y a la liste complète. Non, mais je l'ai sur le. Sur le téléphone, là. Ok. Ouais, je trouve que c'est tout début l'équipement, après il y a la prise de service, après il y a l'équipement, puis là il y a la liste de tout ce que vous devriez avoir au minimum. Après il y a certains trucs comme des fois les barrières ou l'air, ce qu'on en prend un petit peu plus, mais si on veut. Après c'est le minimum au moins à avoir sur soi là pour le coup. Ok, du coup on fera juste quelques tirs de taser histoire que vous voyez la portée effective, mais pour le reste de la formation PPA okay. Ce sera... Mais du coup vous pouvez déjà vous équiper de la liste que vous avez là dans le guide. Alors... Au passage, on en profite pour vous informer que du moment où vous prenez votre service au LSPD, vous êtes susceptible d'être fouillé par vos supérieurs pour vérifier que vous avez l'équipement nécessaire et pour vérifier aussi que vous partez pas avec des trucs que vous n'avez pas le droit de partir avec. D'accord. Voilà. Donc bon. C'est pas, je vais être franc avec vous, c'est pas toutes les 5 minutes qu'on fait des fouilles, on a trop de choses à faire. Puis on a tendance à faire confiance en les agents aussi, c'est mieux. J'ai jamais mais, posé la question, mais les cadets, ils peuvent prendre le mégaphone ou c'est depuis officier hein, ça. Ouais, non, en fait, en général, on évite de prendre plusieurs mégaphones dans le même véhicule, déjà. Donc, non, mais c'était une question qu'un aimait poser, je ne sais pas quoi y répondre. Il n'y a pas de grade moi, je sais qu'SSP, c'était non, donc ici... Chez nous, il n'y a pas de grade pour le mégaphone. Ceci dit,
Chez nous, théoriquement, c'est un seul mégaphone. Non, c'est juste la question que tu pas précisé, donc... Voilà. Ok. Parfait, merci. Allez, à Qu'est-ce que c'est que cette intrusion pénitentiaire, là, mais... Ah, moi, j'ai posé ça, j'en ai pas besoin. Oui. Ça vous verrez aussi. Lesquels je privilégie comme cône, routier ou piéton? Routier. Ils ont mis les cônes piétons dans la liste ou bien... Non, non, c'est plutôt, du coup, c'est routier. Routier, c'est mieux, ils sont généralement, c'est les plus grands. Mais... Normalement, les coups de piéton, on va pas les prendre à part pour... Pour les R, prenez-en 5 plutôt que 2. Ok. Je sais qu'il écrit 2, la R, mais prenez-en 5. Très bien. J'ai dit que j'étais le sergent de l'URI. Sergent, oui, l'URI, non, mais... L'URI, c'est une thérapie d'intervention, du coup, c'est... D'accord. C'est nous qu'on aime mettre des R. Le mégaphone, j'en prends un ou pas, du coup? Non, non, prenez pas. Non, très bien. Si une fois... Si une fois il y a besoin, vous pourrez. Du coup, c'est juste ça que j'étais pas sûr si les cadets pouvaient l'avoir directement. Bon, non, non. Et là, il n'y a pas d'utilité, son laser à la voiture. J'ai pas vu le taser là. Le taser, c'est il doit être à gauche. Ouais. Oui, ça sera à côté, là, j'ai montré. Si je vais regarder d'ailleurs, du coup. Si vous regardez ici, dans le truc, tout ce qui est SWAT, vous touchez pas. Tout ce qui est 4-3, donc calibre 12, MP5, G36, vous touchez pas tant que vous n'avez pas les accréditations. Et même quand vous aurez les accréditations, c'est quand on vous dit de les prendre sous des réserves particulières. Ensuite, vous avez, si vous faites une recherche au niveau des trucs, vous regardez les petites étiquettes, vous pouvez mettre 31 directement, vu que c'est votre matricule, et vous verrez que ça montre directement votre pactage. Comme ça, vous avez les 4 trucs. Évidemment, vous ne touchez pas au PDC parce que vous n'avez pas le PPA. Logique. Par ailleurs, vous verrez que si vous allez tout en bas de la liste, vous verrez que c'est le même principe que pour les véhicules, il y a des ZZ. Et après, c'est pour votre nom. Donc, si vous avez le jour où vous avez votre PPA ou si un jour vous possédez un taser ou autre chose de ce genre, vous pouvez le ranger là, sous réserve évidemment que ça commence par ZZ au niveau de l'étiquette, histoire qu'on s'y retrouve. Et vous n'avez pas besoin pour le service. En plus. C'est non, c'est du matériel qui n'est pas encore assigné à l'agent. Matériel qui n'est pas assigné. Ok, ça marche. Si. Puis après, moi, je peux aussi conseiller, des fois, c'est d'avoir... peut-être plus tard, si vous pouvez vous acheter aussi un jerrycan ou un parachute aussi personnel. Ça, c'est toujours... Ils ne sont pas dans le pactage, mais ça peut... c'est toujours pratique d'en avoir un sur soi. C'est le genre de truc à avoir. Sur, pardon, sur quoi? Je dis si vous pouvez... Je vous ai occasion aussi des fois d'acheter peut-être un jerrycan et un parachute. C'est On vous aura un peu de soi, mais ils sont pas dans le pactage, mais généralement tout le monde en a peu, on a un. Donc, écoutez, alors, le cadet maintenant, après qu'on ait terminé la formation initiale, vous aurez assez de sous pour ça. Vous êtes tout prêt du coup? Oui. J'ai taser, matraque et lampe torche. Parfait, on va vérifier ça. Lavez les mains que je vous fouille du coup. Oui. Vous fouillez au corps, c'est terrible. Ah, vous inquiétez pas, je ne sais pas. Tac 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 clé de manotte pierrière police les tests les kilomètres les trucs les machins la radio incroyable ok prenez un GPV de plus ok alors en fait pourquoi parce que en fonction des consignes le GPV obligatoire ou non le port du GPV obligatoire ou non et là actuellement GPV le port du GPV obligatoire. Parce qu'on est en état d'urgence actuellement. Ça veut dire que quand vous prenez un GPB, vous en avez toujours un sur vous, plus un de rechange au cas où. Ok, question qui va être bête. Si je le mets, je peux l'enlever ou je le jette? Ouais, non. C'est usage unique. On va le mettre. Bon, vous malheureusement, mettre tout à l'heure, si on part en patrouille. Je sais pas Vous continuez ce soir après la formation initiale. Ouais. Pour le moment, mettez-le pas. Ok, très bien. Au début... Le conseil, ce sera dès qu'on aura terminé la formation. Hein, mais le conseil, ce sera vous le mettez dès que vous prenez votre service. Ouais, ça marche. À l'avenir, moi, par exemple, je peux vous dire que si je le mets quand je pars sur le terrain. Mais le risque, c'est d'oublier. Mais moi, je n'oublie pas. Mais du coup, quand vous êtes cadet, mettez-le tout de suite. Et comme ça, vous ne posez pas de questions. Mais parfois, en fait, on le met. Enfin, ça n'a rien de mettre pour rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Ok. Mais il vaut mieux un gilet pour rien que pas de mettre de gilet quand il le fallait. Ok, et il y a un... comment je pourrais dire ça? Je suis tout le temps de service ou je peux dire, je sais pas moi, Jacqueline de la queue que je suis... Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est que vous prenez votre service quand vous vous annoncez en radio et quand vous venez au PDP.
ok. Quand vous n'êtes pas en service, vous n'êtes pas en service. Vous êtes. Oui, vous touchez toujours votre salaire. Ah, ouais, d'accord. Si vous voulez savoir. Ouais, je vois. Mais, non, ouais, mais je voulais juste savoir s'il y avait un moyen de. Ouais, justement. De... Non, non, okay. Non, mais ok, ça marche. De ne pas toucher le salaire. Du coup, vous avez un contrat qui requiert que 25%, maximum. Ouais, 75% du service, je sais pas quoi. Ouais, 75% du temps où vous touchez votre salaire, vous devez être en service. Ouais, ouais, pas de problème. Après, si vous voulez prendre des jours de congés non payés, c'est aussi possible. C'est juste que vous toucherez du coup le salaire qu'au chômage. Vous prévenir. Ouais, ouais, non, mais bien sûr. Non, mais c'était surtout pour savoir s'il y avait un. S'il y avait autre chose à faire qu'après une fin de service. Il n'y a pas de. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Badgeuse. Ok, ok. On va aller faire les. On a fait le tour là, je pense. Le pactage est quand bon. Je regarde où j'en suis sur le papier. J'ai pas regardé au niveau des. Vous avez pris la lampe, après, la lampe, le taser et, ouais. Et la matraque, donc c'est bon. Randonnée, c'est compté jusque 3. Bon, j'ai regardé. Jusque là, ça va. Tout pris dans. Il y était plus son pactage après le PDC, donc. Bah si le PDC est toujours dedans, c'est bon. On va aller faire quelques tirs au taser du coup. Et avant ça, on va juste faire un tout petit point théorique. Faites-lui ça, Adams. Faites-lui le petit point théorique sur le PPA. Vous êtes formatrice PPA, Adams ? C'est encore en cours, mais... Ok, ok. Bon, j'en ai fait deux, le deuxième, on a dû arrêter en fait en plein milieu, il y avait une urgence, donc... Y a pas de soucis. Pour ça qu'il a pas, il ne l'a pas validé pour le moment, mais ça devrait aller. Ouais, il n'y a pas de soucis. De toute façon, faites-lui je crois qu'il y avait 2-3 trucs à dire avant, il me semble, dedans, mais... Ah oui, l'émission d'un agent du LSPD, aussi, ouais, ouais, c'est des choses à noter, mais on peut faire après aussi, oui. Oui, oui, voilà, voilà. Faites-lui juste la théorie sur le l'usage d'une arme à feu. J'ai juste ressorti le document, mais... Ouais, sinon je le fais, il n'y a pas de souci. Mais la seule chose qu'il faut, enfin les quatre règles, alors il y en a une cinquième, mais facultative. Les quatre règles les plus importantes pour l'usage d'une arme à feu, donc là actuellement, vous les appliquez pas dans le sens où... c'est pas d'arme à feu, vous avez compris ce que je veux dire. Mais, oui. Mais concrètement, ça, vous allez être amené à le faire. Et par ailleurs, ça... Pour certains éléments, ça fait écho à l'usage de la violence de manière générale dans les forces de l'ordre. À savoir, la règle numéro 1, une arme est toujours considérée comme chargée et dangereuse. La règle numéro 2, on ne vise jamais, on ne laisse jamais une arme viser vers quelque chose qu'on n'a pas l'intention de détruire. Alors le mot détruire est fort, mais pour autant, il faut se rendre compte des dégâts que ça fait une arme à feu. Ouais, ça fait des vrais trous, quoi. Ça fait très très mal. Ouais, je sais que... Pour beaucoup de gens, c'est pas trivial, mais il y en a pour qui c'est parfois un petit peu, ils se rendent pas bien compte, quoi. C'est pas un jouet. Donc quand on tire dans quelque chose, on doit se rendre compte que les dégâts, ils vont être conséquents. Règle numéro 3, garder l'index hors de la queue de détente tant que les organes visés ne sont pas sur objectif. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tant qu'on n'est pas prêt à tirer, on évite d'avoir un spasme à la con et de tirer une balle qu'il fallait pas. Donc c'est pour ça qu'on met pas le doigt dessus, directement. Et alors les organes visés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, au LSPD, on est une... service des forces de l'ordre, on n'est pas là pour tuer des gens, donc on ne vise jamais les organes vitaux, on ne tire que pour neutraliser une cible, on ne tire pas pour tuer quelqu'un. C'est... Enfin, une fois, c'est évident, mais bon, on ne vise pas la tête, on ne vise pas le cœur, on ne vise pas les organes vitaux, on vise de préférence les bras, les jambes, et on fait ce qu'on doit à ce sujet-là. Règle numéro 4, être sûr de sa cible et de son environnement. Ça, c'est très important parce que quand ça bouge autour de vous, s'il y a quelqu'un qui passe devant vous, c'est des choses que vous devez être capable d'anticiper. Vous devez aussi être capable d'anticiper les conséquences d'un tir, à savoir que si vous tirez par exemple dans le pneu d'un véhicule, il risque d'y avoir un accident, qu'est-ce que ça va provoquer, qu'est-ce qui va se passer, quelles en sont les conséquences. Tout ça, c'est à vous de prendre en compte. Et enfin, la dernière règle qui est un peu plus facultative parce que ça ne porte pas directement, mais pour le coup, c'est quand même important, c'est qu'on range évidemment toujours son arme à feu avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc si vous commencez à manipuler une barrière ou quoi, vous avez d'abord rangé votre arme à feu, c'est évident. Mais... Bon, okay. N'empêche, au mieux le dire. Quoi. Ok. Ça, ces règles-là que je viens de vous lister, on vous les redemandera quand on vous fera passer le PPA, ça va ? Ouais, ouais, pas de souci. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à tout moment, toujours. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ok ? Très bien. Et bonne soirée, les cœurs. Et Clinton, t'es le meilleur, bonne soirée. Flatteur. Et bienvenue cadet. Et merci. Ok, on va juste faire du coup l'exercice de tir au taser du coup. Et puis ensuite on reprendra là où vous en aviez laissé Adams. Ok, ok. On est parti. Allez, bonne soirée, amusez-vous bien, bon courage. Pour l'exercice de tir au taser du coup
ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire quelques tirs, voir un peu comment ça fonctionne, le temps de recharge du taser. Concrètement, le taser, c'est quelque chose qu'on utilise de préférence après sommation. Maintenant, face à un danger direct, mais qui peut être neutralisé de la sorte, ça reste, voilà, ça reste quelque chose qui n'est théoriquement pas mortel, évidemment, il y a toujours des risques, parce que je peux que la personne soit cardiaque, etc. C'est pas du tout, ça fait pas plaisir. Si vous prenez un coup de taser, vous allez voir, c'est pas rigolo. Moi, à la fin de la dernière FI que j'avais mis un coup de taser à la personne, mais je suis pas sûr que ce soit très conventionnel, ça, donc je sais pas si on va le faire, là, on verra bien. C'est de cardiaque ? Non, ça va. Bon, mais ça tombe bien. C'est bien, c'est important de savoir ce que ça fait pour... avant l'utiliser sur les gens n'importe quand. Du coup, on teste aussi le 9 mm. Ouais, non, ça, non, ça, c'est mon gros programme. Sauf si vous rentrez au SWAT, vous inquiétez pas. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, il y a aussi l'autre solution, évidemment, pour neutraliser quelqu'un qui pose souci, c'est la matraque. La matraque, ça permet de un peu mettre un peu assommer la personne, la mettre au sol. Ça fait pas trop mal, heureusement. Maintenant, bon, si vous commencez à harceler quelqu'un avec une matraque, vous allez perdre votre plaque, hein, je ne vais pas vous mentir. Je me doute. On n'est pas des malades. Allez-y, prenez votre taser et faites quelques tirs, tout simplement, juste pour vous familiariser avec l'outil. Ah ouais, le taser aussi, il peut être aussi utilisé sur les pneus des véhicules. Ça pète quand on fout des coups de taser dedans. Voilà, D'accord, ok. Ouais, faites juste quelques coups de taser comme ça. Vous pouvez y aller. Pas de... Ok. Voilà, rien de... Parfait. Rien de bien sorcier, on fera évidemment tout l'exercice pratique du PPA et on vous parlera des règles de sécurité supplémentaires quand vous aurez, et dans quelles circonstances on utilise plutôt le taser, plutôt l'arme à feu, etc. Quand vous aurez le PPA, parce que, enfin en tout cas quand vous aurez le test psy, parce que là en l'occurrence, de toute façon ce sera que le taser, enfin vous voyez ce que je veux dire. non mais bien sûr. Ouais, si ça vous tire dessus à la mitraillette alors que vous avez à l'arme automatique, alors que vous avez qu'un taser, faites pas le héros. Hein. Voilà, je compte pas mourir cadet. Comment vous dites ? Je compte pas mourir cadet. Ouais, sinon, on va éviter, oui. C'est une bonne chose. Parfait. Du coup, on en était où, Adams ? Ah oui, les règles, machin, qu'est-ce qu'on fait, tout ça ? L'émission des non-agents du SPD, oui. Ouais, vous pouvez lui parler de ça, vous pouvez lui parler de ça. On peut lire vite fait le... Faites-en un speedrun, parce que de toute manière, c'est le genre c'est d'en parler après. Je préfère qu'on soit sur le terrain pour parler. Pour l'émission, c'est respecter et faire respecter la loi, observer le devoir de réserve dans la fonction. Je me parle juste à chaque fois des petits apartés quand ça vaut la peine. Dans le respecter et faire respecter la loi, la première partie est la plus importante, évidemment. C'est-à-dire que on n'est pas des cow-boys. La loi, ça doit être exemplaire. À un moment donné... Ouais. Tu ne respectes pas la loi, oui. Si vous ne respectez pas la loi, allez de l'autre côté de la barrière, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Observez le droit et la réserve de la fonction. Assurer protection et sécurité de la population. Obéir aux ordres de la hiérarchie. Veiller à ne pas faire un usage disproportionné de la force. Garantir le secret professionnel. Faire preuve d'impartialité et de discernement. Garantir la protection et la sécurité de la population, ainsi que des personnes privées de liberté. Hein. Et non pas faire peur. Faire peur, c'est pas une histoire. Oui, non. Je me suis dit. C'est terrible. Ok, nickel. Est-ce que vous avez déjà ouvert le guide du bon policier, du coup ? Je crois qu'il m'a dit qu'il l'avait reçu déjà. Oui, bien sûr, ouais. Il est sur le téléphone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vous invitera à le lire... par vous-même et à pas hésiter à poser des questions. Les questions, vous les posez en priorité. Je vous relais un peu de temps en temps, Adam, comme ça c'est plus facile pour vous comme pour moi. Les questions, vous les posez en priorité aux membres de la formation. Vous verrez, il y a un organigramme qui est mis dans un des canaux. Vous fouillerez aussi tous les canaux un peu auxquels vous avez accès sur l'internet Discord pour voir un peu tout ce qu'il y a, quoi qu'est-ce. Il y a plein de choses intéressantes. Si on commence à vous faire tout lire maintenant, on en a pour la nuit. Autant que vous ayez directement le plus vite possible sur le terrain et pouvoir apprendre le métier, quoi, c'est ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Donc, les membres de l'unité formation en priorité, ensuite les sergents et éventuellement les officiers 3 aussi, qui sont vos références pour la formation. Évidemment, ça ne vous empêche pas de poser les questions à d'autres dames partenaires qui seraient moins gradés ou même plus gradés, si vous ne partez avec un lieutenant ou un commandant.
Non, ça me fait pas chier de faire ça, il n'y a pas de problème. Putain, quel enfer. Mais c'est des interlocuteurs privilégiés. Voilà. Je fais des belles phrases, terrible. Tac, tac, tac. Les canaux, du coup, intranet, je vous les fais vite parce que je sais sur le truc il est mis qu'on va parler de tout. Mais c'est en train d'être revu, ça, Adams. Parce que ça sert à rien de parler de tout. Bon, et les assommer d'informations. Et puis qu'après, on verra au fur et à mesure. Moi, je sais que la première fois qu'on me l'a fait SHP, j'ai pris un mal de tête à la fin. Ouais, c'est de la merde. C'est, tu réponds en 30 minutes. Mon truc. Les canaux intranet Discord. Vous avez quelques trucs intéressants auxquels je vais attirer votre attention. D'abord, l'Interservice Police, vous avez l'annuaire. Vous voyez ? Ouais. Dans l'annuaire, vous avez tous les membres de Force de l'Ordre, ainsi que Bureau du Procureur. Je vous encourage, quand vous avez le temps, de noter les numéros de tous les collègues du... Ah. D'accord. Bon, c'est bizarre, ils l'ont reconduit genre tout à l'heure. C'est ce que j'avais cru comprendre aussi. Bon, moi je suis pour, hein, donc on va pas se mentir. Excellente chose. Les raisons par contre m'échappent, j'espère qu'elles sont bonnes. C'est pas le sujet. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Devoir de réserve, on a dit devoir de réserve. qu'est-ce que j'étais en train de dire ? L'annuaire, donc notez dans votre téléphone tous les collègues du Lespidi. Je vous conseille de noter le matricule dans le numéro, ça vous aidera pour faire, c'est plus pratique. Okay. Pour les collègues BCS ou SASP, si vous avez le temps, vous les notez tous, c'est merveilleux. Si vous n'avez pas le temps, notez déjà peut-être l'état-major au moins de ces deux services-là. Ça vous évitera d'avoir, par exemple... un chef de service d'un autre service de police au téléphone et que... Excusez-moi, on a la radio en même temps qui nous fait les... commandant qui donne une directive vu la fin de l'état d'urgence. On va ressortir les motos, du coup. Ah ouais, nice, on va pouvoir ressortir le mari, parfait. Incroyable. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, si vous avez un chef de service qui vous appelle et que vous ne savez pas qui c'est, ça fait des ordres, donc c'est bien de le noter. Ensuite, sinon, vous avez un canal qui s'appelle Interservice Pôle... non, d'abord le canal Arrestation. C'est là-dedans qu'on note le nom des personnes qu'on arrête. Voilà, c'est simple. Interservice Police, c'est en dessous. C'est le truc avec les trucs qui viennent des autres services. Voilà, bref, pas très important. En dessous, vous avez tous les canaux LSPD. Bon, vous y jeterez un œil à tous. Ouais. Attendez. J'écoute le call radio du commandant. Le col le plus long de l'histoire. Il y a le commandant qui nous parle sur la radio. Okay. Puis après, on a droit au 14-10-4 à la suite. Ok, excusez-nous. Jusque quand il y a des calls qui sont importants, on essaie quand même de les écouter malgré tout. Vous ne l'avez pas eu parce que vous n'avez pas encore la radio, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ensuite, sinon, journal des événements, c'est important, ça permet de savoir un peu ce qui s'est passé ces derniers temps, tout ça, tout ça. Les autres canaux, on vous les expliquera petit à petit. Le canal information, vous avez tout plein de trucs intéressants là-dedans, notamment, et on va parler de ça tout de suite, dans le canal général, information générale, vous avez une grille des fréquences radio. Ok. La grille des fréquences radio, là-dessus, petite information par rapport, on va faire après l'exercice, la théorie sur la radio, mais on ne prononce jamais à l'oral le nom des fréquences pour ne pas les... qu'elle soit corrompue, enfin, vous avez compris. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Elle change régulièrement ou c'est tout le temps les mêmes ? Elles changent si elles sont corrompues, a priori. Ou alors si elles changent pour des raisons de sécurité. Je sais pas si... Il me semble que parfois elles changent et qu'il s'est rien passé. Mais bref, généralement, elles changent pas si souvent que ça non plus. Mais okay. Bon, parfois, il y a une radio qui est volée et puis voilà. Puis il y aura un changement, généralement, c'est signalé pour la commune sur Inter-Service, puis sinon... sur notre internet Discord à nous, dans une discussion ou annonce. Oui, et puis sur le dispatch. Le moment venu, je vais vous parler d'un dernier truc qui est important, c'est votre canal cadet. Donc vous avez un canal qui s'appelle 31 cadet. Oui. Il y a complètement une faute de frappe dans le nom du canal. Affirmatif, mais c'est pas grave. D'accord. Geoffrey Corrigue, c'est pas de soucis.
terrible, hein. ça c'est terrible. Hein. Ah, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, mais au meilleur. J'ai pas un nom facile. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après. Du coup, dans ce canal-là, je vais lire ce qui est dit à ce sujet-là. C'est vrai. On dit merci papa, maman. Exactement. Du coup, vous avez le, les, comment est-ce qu'on dit, le message du lieutenant Maldon qui est pour vous à ce sujet-là. C'est là concrètement vous aurez les remontées de patrouilles des autres agents, etc. Ça ok, va très bien. Et ça, vous pouvez poser toutes vos questions à l'écrit aussi quand vous devez faire des questions à l'écrit. Si vous avez des trucs qui vous tracassent, vous n'hésitez pas, ce canal est là pour ça. Et puis nous, on est là pour vous, tout ça, tout ça. Okay. Où est-ce qu'il est encore le dispatch? Parce qu'il est quelque part. Je sais jamais où il est, moi je l'ai d'office. Je sais pas, moi on me l'a directement envoyé, jamais cherché, mais. Ouais. Donc il y a le dispatch, au pire on va faire comme ça. Tac, tac. Le dispatch que vous venez de recevoir par mail. Dessus, vous avez toutes les informations qui sont relatives au, à la position des différentes unités. Vous avez aussi le dispatch BCSO SASP, ainsi que les informations relatives au procureur en service. Ça, vous apprendrez petit à petit. Mais c'est le genre de truc. Enfin, moi, je l'ai toujours sur les yeux, quoi, par exemple. Il est tout le temps sur mon téléphone ouvert, comme ça, si je dois mettre quelque chose. Ok. Je fonctionne avec. Oui, oui. Bon, okay. Ça, des indispensables avec la tranette. En même temps, ça et l'intranet, tu crois, peut les avoir ouverts de côté sur le téléphone, ça sert beaucoup. Ok, enfin, on va faire. On va faire juste ce qu'il faut. Donc, on va jeter un œil au guide du bon policier avec lui, malgré tout. On va essayer de faire sans speed, hein, parce que voilà. La radio, c'est fait. C'est-à-dire ? Je pense que c'est fait. Au niveau des boutons. De la radio. Moi pas comprendre vous, regardez. Ah, j'ai non, dit, pour les pour... boutons de la radio, c'est bon, je suis appuyé dessus. Incroyable. D'accord. Parfait, merveilleux. Okay. Splendide. C'est important oui, d'avoir des pouces opposables. Hein. Aussi pour la voiture, pour vérifier aussi s'il n'y a pas trop de soucis, bah, des fois, un peu différent. Ouais, non, on verra ça quand vous serez dans un véhicule. Ouais, exactement. Là, du coup, vous avez les principes de base des calls radio qui sont écrits dans le guide du bon policier. Ainsi qu'ensuite toutes les titulatures et code 10 ainsi qu'ordre de priorité. Vous avez ça page 4, 5 et 6 du guide de mon policier. Je sais plus si nous on a un petit fond d'écran avec les codes en rappel. Mais... Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Moi je l'ai pas. J'ai jamais retrouvé sur le Speedy, mais. J'ai une bonne mémoire. Oui, oui. Non, mais il y en a des, ils aimaient bien avoir ça sur leur téléphone vu que. Ouais, ça c'est à votre choix, mais si jamais je crois en pour leur j'ai déjà entendu. Si vous voulez, mais... Je vous le dis quand même parce que j'ai déjà entendu des problèmes avec ça. J'ai déjà entendu qu'il y a des états où c'est pas les mêmes codes que les nôtres qui sont utilisés. Donc ah oui. Voilà, ça c'est dramatique, mais c'est la vie. C'est comme ça. Effectivement. Très rapidement, on va dire ce qui est mis en rouge. Clarté, concision. Quand vous faites un code radio, ça doit être net, précis et pas des trucs inutiles dit à la radio. Vous verrez que parfois, il y a des plus hauts gradés qui se permettent de faire des calls plus longs. Ils savent ce qu'ils font. Voilà. Vous, en particulier, quand vous êtes cadet, on attend de vous d'être exemplaire là-dessus. Évidemment, d'apprendre, c'est normal. Mais d'être exemplaire là-dessus. Et puis, quand vous saurez être exemplaire, vous saurez parfois être moins exemplaire quand l'occasion le permet ou des choses comme ça. Et ce sera bien aussi. Il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Parfait. Tac, 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 tac. Ouais. Quand vous êtes avec des civils, sauf accord donné par l'agent en particulier, vous n'appelez les collègues que par leur matricule. Vous ne divulguez jamais le nom des autres agents devant des civils. Moi, par exemple, Sergent Wolf, vous pouvez m'appeler Sergent Wolf devant des civils parce que j'en ai rien à foutre. Mais il y en a d'autres, ils en ont quelque chose à faire pour des raisons qui les regardent. Donc vous voulez respecter, ça va? Yes. Tac, tac, tac. J'essaie de faire vite, hein, histoire qu'on passe pas la journée à causer des papiers, là. Vous avez lu tout ce qui est page 5-6, avec les noms des unités
et les codes, code 10, c'est hors de priorité. Ouais. C'est bon pour vous, il y a des questions? Code 10, c'est bon. Enfin, ça va venir à force, mais ça devrait se faire. Les codes, bah, faut que je les assimile, mais normalement, ça devrait le faire. En vrai, de toute façon, ça viendra, ouais, ça viendra en pratiquant de toute façon. Mais... Yep, au début, vous serez toujours avec des agents expérimentés dans vos patrouilles, et vous n'hésitez pas à faire valider vos calls à l'oral quand vous faites les calls radio, c'est-à-dire à dire à l'agent, je dois bien dire, Adam 31-19, et ensuite il vous dit oui, et vous dites en radio Adam 31-19. Ouais, c'est comme ça, il n'y a pas de... Bon, puis c'est les oublis, on va vous le dire aussi, vous inquiétez pas. Et au début, je vous conseille très largement de d'abord penser à ce que vous allez dire, et ensuite appuyer sur le bouton de votre radio, et puis de faire votre call. Plutôt que d'appuyer sur le bouton de la radio, et puis dire, alors c'est comment que je dois dire encore? Parce que là, après, ça, c'est la catastrophe. Hein. Après, vous allez nous faire une réménèse. Non, je rigole. Ne dites pas que j'ai dit ça. Non, pas de soucis. Ah, c'est parce que je l'aime bien, c'est parce que je l'aime bien. Ok, sinon ensuite, la page suivante aussi du guide de mon policier, vous avez le... vous avez le... les codes d'urgence. Donc, bon, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que vous roulez avec les lumières et les pimpons éteints si vous n'êtes pas en urgence et vous respectez le code de la route. Quand il y a une situation d'urgence qui n'est pas... selon le degré d'urgence, en fait, et selon le type d'intervention, vous allez allumer soit juste les lumières, soit les lumières et les pimpons, ok, okay. Si vous allumez juste les lumières, vous êtes un véhicule prioritaire, mais vous devez penser au fait que les autres usagers de la route, ils vous voient pas, donc enfin, ils vous entendent pas, ils vous voient mais ils vous entendent pas, donc si vous passez un carrefour à 140 et qu'ils arrivent à 90, bah, c'est le drame. Donc vous roulez prudemment malgré tout. Quand vous êtes en code 3, vous êtes prioritaire et entendable, donc à un moment donné, si les gens s'écartent pas, c'est de leur faute. Voilà. Après, ça veut pas dire qu'il faut bourrer dans les gens comme une espèce d'abruti, évidemment. Hein. Essayez d'éviter au maximum les accidents, mais si vous devez passer à pleine balle dans un carrefour, vous passez à pleine balle dans un carrefour. Si la situation le justifie, il n'y a pas de problème. Parce que si vous le faites pas et que vous suivez un véhicule en course poursuite et qu'il lui le fait et que vous vous freinez à chaque carrefour, spoiler alert, vous ne l'attraperez pas. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Je pense qu'on est bon sur les guides de mon policier, Adam, si j'oublie un truc. Je crois que c'est pas mal, hein. Je crois qu'on a plus ou moins parlé aussi du reste qui est en bas. Donc... Ouais, dans le guide de mon policier, vous avez aussi la liste des points d'intérêt, c'est pas mal pour les calls radio, ça. Ouais, je vais juste vous faire un tout petit point sur les calls de 10-31. Les calls de 10-31, qu'est-ce que ça veut dire 10-31? C'est course poursuite. Call de 10-31, nous, on les fait sur une autre radio que la radio que vous avez ici dans votre pactage. On les fait sur la radio du véhicule. Ce qui permet d'ajouter deux fréquences supplémentaires, comme ça vous avez quatre fréquences en même temps, vous avez envie de vous péter la tête, c'est génial. Pour peu que ça parle dans la voiture et qu'en plus vous ayez des personnes au téléphone, vous flinguez le cerveau, c'est génial, c'est un plaisir, vous verrez. Vous passerez de bons moments. Vous avez du coup les calls de 1031, c'est en gros vous allez annoncer la position du véhicule ainsi que sa direction. Donc du coup, typiquement, ça va donner, vous voyez les codes zip qui sont mis sur le GPS. Par exemple, vous allez dire ouest 7136, comme ça on sait dans quelle direction il est en train de se rendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la base de ce que je viens de dire, ouest 7136. Ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Mais il y a moyen de faire beaucoup mieux. Par exemple, vous pouvez dire ouest 7136 sur Hawick Avenue, ou ouest 7136, on passe le coiffeur, par exemple, parce qu'il y a un coiffeur en 7188 qui est juste à côté de 7136. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être des points de repère. Après ça, on peut dire. Ouest 7136, on arrive au Rockford, parce qu'en fait, ça vous le savez peut-être pas, mais en 7245, c'est le Rockford. Et c'est un grand bâtiment qui s'appelle comme ça. Donc petit à petit, quand vous connaîtrez la ville, vous verrez qu'il y a plein de points de repère qui permettent de donner des calls qui sont faciles à comprendre pour les agents, même s'ils sont tous seuls dans leur voiture. Parce qu'en fait, les codes zip, c'est bien. Mais si vous êtes tous seuls dans la voiture, ça vous sert un peu à rien. Parce que si vous avez un copilote, il peut les mettre sur le GPS. Mais si vous n'avez pas de copilote, enfin moi je suis désolé, on dit 7136, je ne sais pas où c'est. Hein. Donc... Voilà, ok? Yes! Et donc pour les calls de 10-31, il faut être aussi concis et précis que possible pour être efficace. On est bon du coup là-dessus. Ça c'est on. Ben, on va faire l'exercice pratique. Bonne nuit, Daddy. On va le faire ici, non? Ouais, on va le faire ici, comme ça on va pas aller dans le parking. Je pense pas, mais sinon à mercredi. On verra. On fait ça, Adams?
On est bon? Oui. Oui. Ah, c'est parce qu'il est tard, j'ai un petit peu speed up le truc, hein, parce que sinon... Non, c'est long parfois, les formations initiales, parfois ça dure 2 heures du coup. Ah oui. Ah ouais, moi j'ai envie de me flinguer à la fin. Enfin non, bien sûr, parce que j'ai un test psychologique réussi, non, du coup j'ai aucune pensée suicidaire et tout va bien. J'espère, vous inquiétez pas. Ah, c'est de l'humour. Beaucoup de soutien en personne, en difficulté, évidemment. Ok, on va faire une mise en situation du coup. Vous avez déjà fait ça, Adams, ou jamais? Non. Ok, bah alors du coup... Dis-moi, quand j'ai fait ma formation initiale, en fait, on apprenait tout sur le terrain, dans notre service, donc... Ouais. En fait, il y a beaucoup plus de papiers administratifs, faut l'expliquer. Il me semble avoir lu dans votre entretien que vous avez un peu d'expérience dans les forces de l'ordre. Affirmatif. Ok. Du coup, on va juste faire la... Ah. En fait, on fait 3 situations qui sont graduellement plus complexes. On va dire ça comme ça. Tac. Qui est-ce qui est au PDP là? Tac. La troisième situation, on l'avait fait une fois, c'était Billups à l'époque. J'avais perdu tous mes moyens, je me rappelle, mais tellement. Ouais. Donc les mises en situation sont graduellement difficiles. C'est des contrôles du coup, et donc le principe évidemment, c'est d'essayer de vous mettre face à des gens qui sont un petit peu plus difficiles à gérer, mais c'est pour du faux, évidemment, pour que quand ça vous arrivera sur le terrain, vous soyez armé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Bon, on va quand même aller au niveau du parking souterrain. On est parti. Bonjour. Bonjour. Hey, commandant. Ah, c'est le commandant qui va nous faire l'exercice. Eh ben ouais. Bonsoir, commandant. Du coup, je vous présente le commandant Lamb, n'est-ce pas? Du coup, pour les... Je suis venu mettre la pression aux agents quand il faisait son entretien. Parfait. Parfait, du coup, vu que vous êtes familier avec le commandant Lamb, ça sera très bien pour... quand il faudra lui répondre mon ref, ça sera bien. Ok, du coup, on va faire les, on va en faire deux. On va faire la deuxième et la troisième, je pense. La première, je pense, c'est trivial. Et comme ça, on gagne du temps. C'est bien comme ça? Oui. Toc. Donc, Adam, se restait avec. Ouais, non, on va faire comme ça. Cadet, allez par là-bas, là. Et puis, j'arrive. Oui, très bien. Est-ce que la tarte pédagogique rentre dans la formation, que je sache? Oh là là, 2 000 $, incroyable, on est riche. Vent caracara. Encore. Ah, ça va être drôle cette histoire. Attendez, faut que je me mette dans la peau d'un policier. Il va y avoir la lecture. Hein.
La bagarre. Ok. Donc, tac, tac, tac. Ouais, vous me dites quand vous êtes prêt, du coup. Okay, parfait. Parfait. Ouais, mettez le casque aussi, mettez le casque aussi. Parfait. Du coup, c'est le commandant qui va faire le rôle du type que vous devez... on va le laisser aller sur le côté, voilà. Et donc, vous devez le contrôler. Donc, c'est un contrôle simple, comment dire. Comme on peut faire sur n'importe quel piéton, c'est ça, contrôle d'identité. Et puis ensuite, s'il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter, c'est vous qui gérez. Et puis moi, je joue le rôle de votre Adam Partner pour ce contrôle-ci. Mais je vous laisse faire, ça va. Le but, c'est de le menotter ou... Le but, c'est de voir ce qu'il y a besoin de faire et d'agir en fonction, comme si c'était un citoyen lambda. Donc, vous voulez contrôler l'identité. Ok. Donc, vous agissez en fonction. Et puis, s'il y a des choses qui vous paraissent problématiques, vous m'en parlez. Ouais, ça marche. Mais au maximum, vous essayez de ouais, répondre, bien sûr. Ouais, pas de problème. Parfait. Nickel. Je sais pas s'il est bon ou pas. Ouais. Nickel, mon ref. Parti. On est parti, let's go. Ouais, les autres, vous pouvez les ignorer, a priori. Ouais, les spectateurs. Et bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Monsieur. Et bonsoir. Et bonsoir. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Ouais, c'est pourquoi, là. Nous, on va se mettre un peu sur le côté, on va faire un petit contrôle d'identité. Et voyez pas que je suis pressé, là. Oui, commencez par enlever votre casque de moto, s'il vous plaît. Et pourquoi? Parce que vous êtes pas en moto. Eh oui, mais je vais aller la chercher, là, juste au garage. Ah, d'accord. Bah, enlevez le casque, je vous vois. Attendez, on va aller à la moto, là, plutôt. Non, venez par là, monsieur. Monsieur. Revenez vers moi. Revenez vers moi, ça va. Non, ça va prendre deux minutes, monsieur. Venez vers moi. Et pourquoi? Comme je vous ai expliqué, on va faire un petit contrôle d'identité. Ouais, bon, on va juste prendre votre identité, et puis si vous avez rien à vous reprocher, vous partirez aussi vite. Ah non, mais rien, je dois aller chercher mon bouton. Ah, mais monsieur. Vous voyez quoi? Venez par là, je vous ai dit. S'il vous plaît. Elle est là, ma moto, là. Ouais, j'ai bien compris. Il a les clés, là, il veut me les donner. La moto, elle sortira après, venez vers moi. Mais j'en ai rien à foutre, je vous dis, je suis occupé, là. Oui, bah, ça va prendre deux minutes. Vous voyez, le temps que vous perdez à discuter. On aura déjà fini le contrôle, vous serez déjà là où vous devez être. Il est juste là, il va pouvoir bientôt me donner mes clés. Allez, monsieur, présentez-moi une pièce d'identité, s'il vous plaît. Je suis un peu occupé, là. Je vous ai dit. Écoutez, ça va prendre deux minutes. En plus, il y a Jacqueline à la maison, elle a préparé un ragoût, ça va lui casser les couilles. Faites-la pas attendre, présentez-moi une pièce d'identité, monsieur. Mais non, en fait, je comprends même pas pourquoi vous me demandez ça, là. Comme je vous ai dit, vous portez un casque dans la rue, vous n'êtes pas encore sur la moto, donc présentez-moi une pièce d'identité, s'il vous plaît. Un peu affaibli, je vous aurais. Ouais, mais c'est... Je serai en retard. Ouais. Rangez-moi ce téléphone, là, vous êtes sur un contrôle. Pas. Rangez-moi ce téléphone, arrête monsieur. Monsieur, l'agent, il me saoule. Et restez correct, je vous manque pas de respect. Saoule. Rangez votre téléphone, monsieur. Et pourquoi? Je suis en train de faire un snake, là. Comme je vous ai dit, on est sur un contrôle, donc rangez votre téléphone. Ouais, mais et sinon? Sinon, on va terminer au poste. Ouais, pourquoi? Parce que vous refusez de déclarer votre identité, monsieur. Ouais, j'allais quand même pas aller au poste parce que je suis en train de rouler votre gueule. Hein. Ouais, rangez votre téléphone. Et sinon? Comme je vous ai expliqué, on va finir au poste. Rangez votre téléphone, agent de police. Allez. Rangez Ah ouais, mais je sais que je donne raccrocher. Le contrôle, mais il y a l'autre, il me saoule là, il me raconte monsieur, sa vie là, je sais pas quoi. Soit vous raccrochez, soit le contrôle va passer différemment. Attends, il est un peu en colère là, j'allais devoir lui parler, je crois là. Rangez votre téléphone. Ah ouais, non, mais t'inquiète, ouais, je vais lui parler là deux secondes, il va comprendre qui je suis là. Enlevez votre casque. Et c'est bon, parfait. Mon putain de casque. Et présentez-moi une pièce d'identité. J'en ai pas sur moi, je crois.
Comment ça, vous avez pas de pièce d'identité sur vous, monsieur? Je l'ai pas pris, j'ai oublié le portefeuille à la maison, putain. D'accord, donc on va vérifier ça au poste. Ça changera pas que je l'ai pas. Ouais, mais bon. Au moins, nous, on vérifiera sur nos fichiers si vous êtes bien le monsieur que vous nous prétendrez être. Ah oui, putain. Vous avez une pièce d'identité. Rangez votre téléphone. Ah putain, j'avais oublié. Oui, merci. En même temps, vous êtes pas clair hein, dans ce que vous dites chez les flics. Bah, c'est simple, je vous ai demandé de ranger votre téléphone et de me présenter une pièce d'identité. Eh, j'en ai pas. Et bah, dans ce cas-là, on va aller au poste pour vérifier votre identité. Mais pourquoi? Je vous dis. C'est quoi votre nom, monsieur? Putain, dans le pas, là. C'est quoi votre nom? Ah, c'est Jean. Jean comment? J'en ai rien à foutre de votre contrôle, là. Ah, d'accord. Bah, ça va mal se passer, monsieur Jean. Ah oui, pourquoi? Vous allez faire quoi, là? Bah, ça termine au poste, hein, si vous voulez. Je vous fais rien. Non. Y a pas eu de coup de matraque. Ah oui, vous l'avez sorti, là, comme un cow-boy. Vous êtes pris pour un putain de taekwondoer, là, ou je sais pas quoi. Un quoi? Un mec qui fait du taekwondo, quoi. Un taekwondoer, quoi. Non, ok. C'est un mec de l'art martial, quoi. Du coup, toujours pas de pièce d'identité, monsieur? Attendez, vous êtes sûr? Vérifier. Oui, vérifier. Vous voulez, j'ai un papier, je peux vous écrire mon nom dessus si vous voulez. Non, moi je veux une pièce officielle, permis de conduire ou une pièce d'identité. Un pansement, mais il n'y a pas mon nom dessus. Oui. Vous avez un permis de conduire? Sinon Ouais, je dois avoir un truc dans le style, quoi. Bah, présentez-le moi. Attendez, ça doit être un truc, genre. Juste là. Et bah, parfait. Ça... Ah ouais, vous appelez pas Jean? Ah ouais? Bah ouais. Vous êtes connu du. Ouais, puis vous avez 7 points sur votre permis voiture. Ouais. Ouais. Et ça, c'est à cause des putains de radars, ça. Ah, je comprends. Vous êtes connu du service de police, monsieur? Je sais pas, vous avez qu'à vérifier, non? Vous avez votre truc, là. Ouais, on va vérifier. Vous vérifiez, collègue? Ouais, mais c'est bon, du coup, parfait. On peut mettre fin à l'exercice. Eh bah, parfait, monsieur. Parfait. Passez une bonne soirée. Dégustez bien votre ragoût. Et dépêchez-vous, il va être froid. Mais attention, il va rester 7 points. Dépêchez pas trop, du coup. Ah, donc, ok. Ouais. Okay. Bah, j'étais bon, Wolf. Ouais, très bien. Ouais, la performance d'acteur, là, sur 10, elle est comment, là? Vous étiez très bien. Du coup, effectivement, la bonne solution, c'est de lui faire comprendre qu'à un moment donné, s'il veut pas obtempérer, ça va être compliqué de rester sur un ton aimable. Et puis ensuite, effectivement, refus d'obtempérer, on peut, s'il faut, on amène les gens au commissariat pour ça. Et à ce moment-là, il y a du mal, hein. Moi, je leur ai déjà collé un coup de matraque. Ah, mais non, bon, il y a quand même la barrière du grade du commandant, quoi. Je n'osais pas. Mise en situation. En situation, vous auriez pu dire un coup de matraque. Pour le coup, mais. Vous saviez le nombre d'agents qui se sont déjà pris des coups de taser. Bon, on m'a dit qu'il y en a eu des cadets qui avaient donné un coup de taser une fois aussi. Mais... Ah oui. Moi, j'ai tasé mon. Moi, sur ma formation initiale, j'ai tasé mon formateur. Il n'y a pas de problème. En même temps, il est parti en courant. Je vous dis. Ah, c'était qui? C'était Jenkins. Bref. Du coup, c'est bien. On va faire l'autre mise en situation malgré tout, quand même. Et puis ce sera bien, non? Ah oui. Parfait. Cadet, je vous laisse retourner du coup. Ouais, mais du coup, ouais, comme j'ai dit, ce qui est important effectivement, c'est de lui faire comprendre qu'il risque une amende, qu'il risque de la garde à vue pour refus d'obtempérer. Ouais, ça marche. Un casier. C'est un peu. Et comme je suis bon, j'ai une nonchalance dans mes bras là. Ah ouais, c'est pas mal. Hein, oui, c'est pas mal, hein. Montre aussi qu'il est avec la police, qu'il est pas chez sa mère. Mais... Ouais, tout à fait. Et alors, évidemment, aussi, s'il y a des outrages, alors là, c'était. Bon, c'est léger, très léger, là. C'était très léger, on est d'accord. Mais s'il y a des outrages, c'est important de les relever et ne pas se faire marcher dessus. On n'est pas des paillassons. Hein. Ok. On est d'accord. Nickel. Parfait. Après un moment, j'ai hésité à lui mettre la matraque dans les dents.
C'est normal. À un moment, je me suis dit, je le fais pas. S'il raccroche pas, je le fais. Ah, mais nous ne sommes pas Kurt Schroeder. Pareil qu'il faut prévenir avant. Attention, monsieur, vous avez mangé un pied-bouche. Ouais, tiens. Voilà, vous avez prévenu. La pédagogie avant tout, exactement. Aïe aïe aïe. C'est reparti. Incroyable. Bon, ça, du coup, ça s'est pas mal passé du tout. Hein. Ouais, bah. À un moment, j'hésitais quand même à mettre le ton fa dans la. Dans les dents, mais bon. Ouais, après. La après, limite. Hausser un peu le ton pas. Et faire un peu. Hausser un peu le ton et faire un peu. Un peu comme ça, là. Et à un moment, c'est terminé, oh. Voilà, ça marche aussi. Hein. Ouais. Après, là, il en jetait pas dans le ton, quoi. Hein, mais qu'est-ce que je veux dire. Et puis il y a le taser aussi. Hein. Il y a le ton fa et le taser. C'est les deux. C'est... Ouais, ouais. Wesh, mon ref. Il y a un problème, commandant. Bien sûr, commandant. Évidemment, commandant. Tout de suite, commandant. Nickel, on est parti. On est parti, les coups. Et on part sur quoi là? Vous allez contrôler de nouveau le commandant. Il est très bien. Vous allez contrôler, contrôler l'identité comme juste avant. Ok. Oh, encore avec son casse moto. Ah, bien sûr. Et bonsoir. Vous allez bien? Eh, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. SPD. Allez, deux secondes, ouais. Ouais, venez avec nous, on va faire un petit contrôle d'identité. Ouais, t'inquiète, je te laisse, t'es où je suis, ramène ton cul, là. Ah ouais, c'est pourquoi? Un petit contrôle d'identité, monsieur, je vais vous demander j'en d'enlever votre casque. J'en ai strictement rien à foutre, vous allez pas me casser les couilles, là. Non, juste une pièce d'identité. Non, mais en fait, j'en ai rien à foutre, je vous explique. Vous, là, au LSPD, vous êtes tous des gros cons, j'en ai marre. Tous les soirs, vous me cassez les couilles. Vous êtes que des cons. J'en ai rien à foutre. En fait, vous allez juste rentrer chez vous, là, dans votre petit poste de merde. Vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez pas me casser les couilles pour le reste de la soirée. Là. Vous avez fini? Vous voulez un mouchoir ou ça va aller? Bah, ça ira, ouais. Vous voulez quoi? Vous voulez une droite dans votre gueule? Non, vous, juste... peut-être. Bah, essayez. Bah, essayez, non, mais attendez. Et vous savez pas qui je suis ou quoi? Non. Du coup, avec votre casse moto, toujours pas. Ah ouais, c'est vrai, attendez, venez, bah je vais vous enlever, comme ça vous verrez qui je suis, vous vous rappellerez de ma gueule et vous me verrez la prochaine fois quand toujours je vais pas. Vous sauter. Présentez-moi une pièce d'identité, au moins je saurais qui bah vous non, êtes. Mais en fait, j'en ai rien à foutre, vous avez pas entendu ce que je vous ai dit avant. Vous êtes si. Que des cons, j'ai pas envie de vous parler, barrez-vous là, rentrez chez vous là. Toujours pas. Eh bah, monsieur, une pièce d'identité s'il vous plaît. Vous me cassez les couilles, vous avez cru que j'étais qui là? Bah, vous quelqu'un qui va finir au poste parce que pour outrage, vous allez prendre une amende, de la garde à vue, un casier judiciaire. Oui, mais j'en ai pièce rien d'identité. À foutre. Déjà, parce que fait. Je veux une pièce d'identité, monsieur. Et j'en ai rien à foutre. Oui, ça j'ai je bien vous compris. Ai déjà dit. Ça fait 14 fois que vous le répétez. Il va falloir changer de disque. Donc juste une pièce d'identité, ça ira. Je vous dire bien. Que vous êtes un gros con. Alors. Ça aussi, vous l'avez déjà dit. Ça aussi, vous l'avez déjà dit au moins 15 fois. Du coup, je rentre chez moi. Oui, ça aussi. De toute façon, vous êtes une monsieur, une pièce d'identité, s'il vous plaît. On arrête de faire les 400 pas. Et quoi, on arrête de faire les 400 pas, je vais juste rentrer chez moi, pourquoi vous me suivez une pièce d'identité, je vous laisse. Vous avez peut-être besoin d'un mètre, vous voulez que je vous offre un collier? Non, ça va. Ah ok, ça marche, oui, parce que, bon... Une pièce d'identité, ça me va, hein. Bah une pièce d'identité, mais j'en ai rien à foutre, je vous ai déjà dit, vous êtes des merdes. Ouais, ça vous l'avez déjà dit, ouais. Bah ouais, ça, justement. Ça vous l'avez déjà dit. Alors, en fait, me faites pas chier, parce que bon, j'ai écoutez, ramené monsieur, mes gars, contre le mur, vous allez contre vous le mur. Ouais, d'accord. Et les crocodiles, oui, non, on les connaît sûr, ici. Allez, levez les mains, monsieur. Non, mais bien sûr. Bon, monsieur. À un moment donné, soit vous arrêtez, soit on va passer différemment.
Et quoi, on va voilà. passer différemment. Donc maintenant, vous allez nous suivre, on va aller au poste. Ouais, on va aller au poste pour outrage. Ouais, retournez-vous, on va vous passer les bottes. Attendez, rajoutons-en peut-être deux là. Ah, oui, très peut-être. Bien. Et retournez-vous, monsieur. Peut-être. Et quoi, retournez-vous. Et oui, retournez-vous, je vais vous passer les menottes. Et non, je préfère vous voir droit dans les yeux, là. Oui, bah, pour vous passer les menottes, faut vous tourner. C'est quoi votre matricule à vous, que je sache comment vous retrouver, là? 31. N'hésitez pas à l'enregistrer, ouais. Ah oui, bah, vous en faites pas, je vais bien l'enregistrer, ouais. Y a vous pas en faites pas, je vais bien l'enregistrer, je vais regardez, bien il est écrit derrière vous, en plus. Sauver, ouais. Il est écrit derrière vous sur le mur, regardez, tournez-vous. Ah, où ça? Hey. Reculez. Et tu lèves tes mains, maintenant, tu lèves tes mains, tout de suite. Allez, hop. D'où tu t'en prends notre boss comme ça, là. Gars, là. D'où tu t'attaques à notre boss comme ça là. Allez, tu vas contre le mur maintenant. Il fait moins les malins maintenant. C'est quoi ton petit nom à toi? 31. Dans ton nom, j'ai dit. 31. Non. Et il comprend pas, je crois. C'est quoi ton nom? Le nom. Le conduit et l'espidi, je crois, d'après votre. Range ton arme, ouais, déjà, c'est pas mal. Arrête de jouer au con. Franchement, je vais tirer. Alors, c'est quoi ton nom? Soares Padilla. C'est bien, mais il comprend du coup, il comprend, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, tu voulais faire quoi notre boss du coup? Contrôle d'identité. Ah ouais? Parce que tu le connais pas peut-être? Il a pas dit ça exactement, il a pas dit ça exactement, je crois qu'il voulait m'emmener au poste en plus le con là. Ouais, outrage, effectivement. T'as besoin de boire ou pas? De boire? Ou de manger? Manger, non, ça va. Ah, ok. Ouais, boire peut-être, oui. Bah, buvez un coup. Très bien. Il les voit pendant les mises en situation, ce con. Vas-y, relève tes mains maintenant. Hop. Bah, attends, on va aller s'occuper de toi, on va aller s'amuser un peu. Oh, je pense qu'on peut s'arrêter là. Terrible. Retournez-vous. Bah, Ah, moi je m'attendais au petit coup de taser là, commandant. Je m'attendais au petit coup de taser. Oh, là. Quand même, on va pas les taser. Les bah, je lui ai demandé avant s'il était cardiaque, rassurez-vous, il l'est pas. Et quand le coup de matraque là? Comment? Le coup de matraque? Non? Le coup de matraque, t'en mets où? Ah bon, très bien. On les préserve quand même. C'était très bien du coup. Globalement, évidemment, c'est toujours un peu particulier les mises en situation parce que là vous étiez tout seul. Généralement, dans ce genre de situation, vous êtes plutôt deux. Aussi, ce qu'il y avait de supplémentaire, c'est qu'on n'a pas, encore configuré votre radio sur la radio formation parce qu'on n'a pas fait les tirs du PPA et que vous n'avez pas encore le test psy. Mais donc, sinon, évidemment, c'est dans ce genre de situation que vous allez faire un call radio pour demander un 10-24. Donc, 10-24 dans les codes 10, c'est le code de demande de renfort. Mmh. Okay. Parce que typiquement, c'est le genre de situation où, dès le moment où, au début de la mise en situation, le commandant il a dit ouais, ramenez-vous. Quand on comprend qu'on est face à un individu récalcitrant qui vient de demander à des gens de se ramener. Ah, si on est tout seul, on trouve une solution, quoi. On se fait aider, évidemment. Sinon, vous avez vu, à force de croiser des cons, j'arrive bien à faire. Ouais, après, globalement, si vous sentez que le contrôle peut mal tourner et qu'il y a des gens qui peuvent arriver, vous l'emmenez en garde à vue, et puis c'est bon. Ouais, ouais, ça marche. Ça marche aussi, ça. Ouais, tout à fait. Ceci dit, c'est ce qu'il essayait de faire, mais il fallait, fallait faire face avec le fait que dès le moment où vous êtes arrivé, quand il a commencé à le menacer avec le taser, évidemment. J'ai fait des doigts d'honneur à un agent de police dans le cadre d'une formation. C'est extraordinaire. Ça fait. Parfait, sinon c'était très bien du coup, ça conclut votre formation initiale. On va configurer votre radio du coup, et après ça on pourra partir en patrouille. Très bien. Comme ça, partir pour la première patrouille. Nickel, merci à vous, lieutenant et commandant avec S. C'était un plaisir. Pour la formation initiale, je sais, vous aimez bien ça, c'est pour ça. C'est pour ça que j'appelle. C'est pas contre les cadets que je vais dire ça, mais c'est vrai que c'est un petit défouloir quand même de faire ça, parce que ça nous permet de relâcher la pression un peu. Ouais. Nickel, et puis c'est un peu de... Oui, parce que sinon on tire la 4-3 au FTC, mais ça coûte un peu cher au final. Oui. Alors comme vrai, noter un cadet, c'est gratuit, c'est ça. Bah, ça coûte moins cher. Ah, mais vous en faites pas quand il aura besoin de faire sa procédure et que je vais lui demander de me noter pour trafic de biens illégaux là. Ok, du coup, nickel. On va aller sur le parking là et puis ensuite on verra pour partir en patrouille ensemble. Je sais pas si on partira en tango ou en Adam, on verra bien. Et on va configurer votre radio. On est parti du coup. Allez. Merci encore à vous, messieurs. Si.
Ouais, quand ils arrivent, évidemment, le bon réflexe c'était de lever les mains. Je l'ai pas dit, ouais, mais bah, moment, ouais, ils sont bah, deux. J'ai vu qu'ils étaient deux de toute façon. On joue pas les héros, désescalader ça, et pas se prendre une balle. Ouais. Pour rien. Bon, alors c'était des tasers évidemment pour la mise en situation, mais tout ça simule des armes. Okay. Ils ont été salauds là pour le coup aussi. Mais... Ouais, mais c'est bien parce que aussi, oui, ça oui. vous permet d'avoir un peu le. Voilà, faut être prêt à savoir que quand on est en sous-nombre, il faut trouver les solutions pour rester en vie, quoi. Et pas se prendre une balle pour rien. On n'est pas des héros. Ok, sortez votre radio du coup. Vous avez le dispatch ? Oui, justement, c'est ça le truc. Clac, clac, clac. Ok. Donc en fréquence 1, vous mettez la fréquence LSPD, elle est affichée sur le dispatch du coup et aussi dans les informations générales sur l'intranet Discord. C'est celle qui est affichée à côté de la plus 1 qui est juste à côté. Qui est la fréquence course-poursuite qu'on met sur les voitures. On appelle la plus 1 hein, parce que bah, c'est LSPD plus 1. Enfin, en donné. Ok. C'est quand même simple à comprendre, je crois. Ouais. Hop. Ok, la une c'est fait. Et ensuite, voilà. Pas encore allumé, par contre. Ouais, c'est bien. Ce que je vous conseille de faire, c'est aussi d'en mettre une. Ce sont un petit tips. Avec les flèches latérales, une dans l'oreille gauche, une dans l'oreille droite. Ça aide un peu à mieux reconnaître quelle fréquence on est en train de parler pour pas confondre quand il y a plusieurs fréquences qui parlent. Tout doit passer en stéréo, donc c'est des deux côtés. Donc vos oreilles atteintes. Ok. Ok. Et ensuite, la deuxième que vous mettez, c'est la fréquence commune que vous mettez du coup sur la fréquence. Ah merde, ok. Vous avez mis la plus 1 ? Ouais. Mais non, c'est sur la voiture. Donc. Ouais. Donc c'est pour les courses poursuites. C'est pour justement qu'on n'entende pas les courses poursuites quand on n'est pas dans la voiture. Parce que sinon. Ok. Ça casse la tête. Ok, ça c'est bon. Quand tout ça est bon et que c'est prêt, vous ferez votre premier call radio. Si vous avez bien lu les codes 10, vous savez peut-être ce que c'est déjà. Bah 31-17. Exactement. C'est ça. Si jamais mon numéro c'est 66-19. Quand vous êtes prêt. Quand vous voulez. Et quand ça parle pas en radio en même temps parce qu'on chevauche jamais les couleurs radio. Oui, alors attendez parce que. Ah, il faut réussir. Très fort à Adam14. Réussir à appuyer sur le bouton de la radio, c'est ça ? Il est un peu récalcitrant. Très fort à Adam14. Je patrouille sur 10-19. Centrale 10-4. Au pire, si vous voulez faire quelques tests radio avant sur une autre fréquence, on peut. Dans le temps que régler la radio, moi j'ai juste posé mon arme. On a peu à boire à manger, j'arrive. Hein. Pas de soucis. On avait tous des 4-3 sur nous parce qu'on était en état d'urgence, mais vu que l'état d'urgence est terminé, on va arrêter de prendre des 4-3 partout. Ouais. Attendez. La bonne réponse c'est moi du coup mais. Oui. Je teste un truc sur une random. Comment ? Mais je comprends. Merde. Putain, je me suis tenté de. Pas grave. Là ça marche. Là ça marche bien. Pourquoi ça. Il y a des boutons qui marchent pas sur la radio et que je veux savoir ou pas. Je pense pas. Très bien.
C'est fou ça quand même. J'ai une petite question. Ah, mais il n'y a pas. Pourquoi elle marche pas cette radio? Il y a une nouvelle procédure. Non, non, la radio, normalement, tu... En fait, j'appuie sur la touche que j'ai paramétrée pour F1 et elle marche pas. C'est le problème, en fait. Pepe Style, merci beaucoup de ton resub. Merci, bienvenue à toi. Bon, faire autrement. Pour les... À la limite, excusez-moi, Adam, mais pour les moins de off 3, je veux bien, mais off 3, j'ai un peu de... Je comprends pas trop, mais bref. Pas moi qui décide. Qu'est-ce que ça dit, du coup, KD? Ça dit que ça va bientôt se faire. Vous n'avez pas posé la question, vous avez un petit peu de temps encore pour tirer une petite patrouille ou ce sera plutôt pour demain? Qui, moi? Non, 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 bien sûr. Donc, parce que des fois, il y en a des qui se couchent quand même en fin de soirée vers 16h. J'ai un problème avec la F1. Donc, Bah, du coup, ouais, faut trouver un moyen d'appuyer sur le bouton qui soit pratique, quoi. C'est ça le. Ouais, mais n'importe quel bouton. La F1 ne veut pas. J'ai déjà entendu parler de cette légende-là. Moi, je sens que c'est le moment où il faut aller rapidement dans la salle de pause, redémarrer le téléphone. La radio. Ah oui. Je pense, hein. Très bien. Je pense, hein. On a débranché, la rebranché, hein. Je crois, hein. Ah, vous n'arrivez pas à la configurer? Je sais pas, hein, mais le bouton pour sinon, parler. Il faut bien regarder que... Tac, tac, tac. Dans les paramètres de la radio, vous avez les petits boutons pour la configuration des touches de la radio, l'avant-dernier module. Et alors là, tac, tac, tac. Le bouton, c'est vers la fin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Absolument pas. Donc, dans les paramètres de la radio. Dans paramètres. Oui. Dans l'avant-dernier module, là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Là, vous allez tout en bas de la liste. Vous faites tous les machins. Oui. Et là, vous remontez. Et il y a un truc pour la F1. Pour parler sur la F1. Ouais, non, mais ça c'est bon, ça c'est okay, fait ça, mais un... okay, il veut rien savoir, même ça si change rien, quoi. Déplace quand vous le changez, bon sur ça la marche radio. Pas, quoi. Mmh. Quand vous le changez, ça marche pas. Ouais, j'ai déjà eu ça. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est de redémarrer la radio. Ouais, je vais aller voir ça là-bas. Y'a pas de soucis, vous êtes arrivé. Non, mais c'était pour tester un truc, Alexandre, t'inquiète. J'ai pas assez de touches sur la souris.
Non, c'est juste. Alors. Il y a du nouveau du coup. Parce que cette fois-ci ça marche un peu mieux. Essayez de mettre le canal. Le truc formation sinon, si jamais. Comme fréquence. Je vais voir ça. La formation. Et bonsoir. Pili plus 11 si jamais. Et bonsoir. Et bonsoir. 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 Et merci. Et oubliez pas votre épicade. C'est pas il vous manque quelque chose. Mais j'ai demandé si. Je sais pas si c'est toujours obligatoire. C'est obligatoire pour les cadets. Obligatoire le. Pour les cadets, le képi. Mais ouais, mais c'est parce que le commissaire il a dit ouais, un truc pas clair à ce sujet-là. Oui, parce qu'il fait chaud, c'est ridicule, mais il a raison, on est tous ridicules avec le képi. Mais. Dernière nouvelle, les cadets ils ont toujours le képi. Oh, puis aussi les lunettes de soleil si vous voulez. Donc, tiroir le képi. 31 et c'est radio. Ah, c'est. Ça marche du coup. Ouais, nickel. Et bah, bonne formation. Ouais, bonne merci. Formation. Nous, on va faire rapport, nous. Hein. Faites donc. Ah, j'avais posé la question, j'ai essayé de vous l'esquiver le képi, mais je pense que ce sera... Poser la question, c'est le BE là, si ils sont civils. Ok. Et 3... Popli. Et docteur, on va devoir décrocher pour Ishul. Et 31, c'est un 17. Tral 10-4, vous partirez avec 22. Parfait. Je sais pas ce que je suis quand même avec vous, moi je vais plus faire très long. Mais... Je sais pas ce qu'il veut faire avec vous, Central. Sinon, 26, faites un call dispo dispatch pour Central. 26, dispo dispatch. Central 10-4. Non, soit on peut partir. J'ai fait la formation avec 22 LKD, on peut partir en tango si vous voulez, sinon je vais quelqu'un d'autre. 10-4, ça m'arrange, je suis parti en tango, après vous voyez avec 22. Oui, c'est... J'ai pu faire très très long non plus. Ok. 2-0-2 pour Hector. Du coup, GPB. C'est eux qui étaient en course tout de suite. Ouais. À 10-4, parce qu'on vous a dit, contrôlez si les VP pour le 31, je suis à la SUPAT. Enfouille les personnes, contrôle ordinaire. On a perdu la Non. Pas j'ai pas de chapeau dans la les véhicules qu'on poursuit. Non, mais je pense les prendre dans le tiroir ou au vestiaire en fait. T4. Ouais, il faut. Par contre, il y a plus d'urgence dans le même tiroir, il y a des lunettes de soleil. Attendez, je vous entends plus. Ah, ouais, trop de radio là, c'est terrible, non? C'est terrible en fait. Vrai, attendez, faut que je fasse autre chose. On s'y habitue des fois un peu. Ouais, mais vraiment, on va les entendre au-dessus des gens qui parlent aussi. Mais là, avec la commune, c'est pas en même temps, on a bien fou. J'avais juste avant, pas les infos sur des évasions, ils sont tous dedans. Ah oui, c'est encore plus si à la commune en même temps, maintenant, Johan. Je j'entends plus. Et on se rapproche au cas où. Bah, moi, je mettais à combien de pourcents? Moi, je mets 90 sur la SPD et 70 sur la commune. Mais bon, après, c'est plutôt la première. Ouais, ouais. Mais quand je suis en centrale, je mets 100% sur les deux. Et combien en commune? Le BCSO 10, 70, moi je mets. Vérifie sur les caméras. Bon, sur okay. Et alors, si jamais vous êtes la radio d'un véhicule et si ça part en course poursuite sur la commune, bah, vous l'augmentez. Ouais, non, bien sûr. Ok, où est-ce qu'on récupère Képi et... Vestiaire. Non, vestiaire, dans les accessoires. Tiroir. Ah, dans les accessoires. Wow. Okay. Alarme 37-10-23, RAS pour l'instant. Central 10-4. Sans horrible, ces lunettes. Parfait. Puis comme j'ai dit, si vous voulez, il y a aussi des lunettes de soleil, il y en a des qui vont les mettre. C'est non, pas obligatoire, ça par contre. Ouais, ça marche. Et du coup. Puis si vous voulez des gants, il faudrait aussi en avoir
En fait, on a avoir sous votre tenue civile, mais oui, ouais. Des qui bien aussi avoir des gants pour la conduite ou autre. Donc, ça, c'est aussi possible si vous voulez. Bon, bah, je pense c'est tout bon, on va pouvoir y aller. On est parti, eh ben nickel. Fait quoi, laisse conduire ou radio ouais, ouais, au début ouais. Hein. Ouais, ouais, cadet, vous allez prendre le volant. Voilà, là, on merci STX, beaucoup de ton risque. Bah, la seule qui reste, hein, concrètement. C'est la 05, elle a des pneus un peu spéciaux par rapport aux autres, mais... Elle est centrale pour Tango 22, modèle du véhicule. À 0, c'est... STX 5. Elle fait cardio, du coup. Et Lincoln 06, 1023, pénitentiaire. Parle des 4. Peut-être regarder aussi... Bon, après, pour l'instant, on va pas le faire tout de suite, mais... On va démarrer la radio. Il y a la radio CP aussi, mais ça on verra plus tard. Là, normalement, vous devez l'entendre. Au volant, ça suffit. Si vous faites la radio, on regardera pour la régler. Là, on va déjà mettre du radio, ce sera déjà pas mal pour le moment. Ouais, mettez la plus 1. Ouais, normalement, elle est allumée là, mais. Ah, mais parfait. Si on a besoin, et puis on la coupera si jamais on n'est pas concerné. Et faites le call de début de patrouille. 26, 31 et 22, forme Toga 26. Début de patrouille. Central 14. Un individu ouais, allô. J'ai trois je suis en patrouille avec un cadet. C'est long, j'ai pas beaucoup de temps, mais comment ça s'est passé? Bon, allez, super. Quel mirador? Comme quoi hein. Mirador. Attends, je vais faire un truc sur la radio. 5 et 2. Allez. Et si très pas M13. Deuxième 2, c'est le gendispo TPH. Et 0, 10, 4 et 10, 4. Allez, bah tu me tiens dans le courant. Dès que t'as des nouvelles, tu me dis. Hein. Vous pouvez balader un peu partout en ville là. Je vais pas trop rester au téléphone parce que comme ça on. Tu vois, c'est la partie du cadet comme ça on lui apprend. C'est 90 la limite, mais des fois le mieux on dit que c'est de rester entre 50 et 70, on a plus de choses, mais. Ça marche. Ah, excusez-moi, appel privé. Je sais pas si on a le droit du coup de refaire les pieds à terre en supérette ou pas pour le moment, mais. Ouais, non, il l'a pas changé donc. Non, pas de pied à terre. Si on pouvait montrer, c'est prévisible. Bon, ça va gentiment revenir, ça. Donc, Dans le vrai, quand ça reviendra. Oui, J'avoue, franchement, j'ai pas hâte. Je sais pas, moi j'aimais bien de temps en temps, ça faisait une petite pause. On va voir, hein, ça. Va falloir que je m'y fasse à cette radio. Oh, puis après, il n'y a pas besoin de discuter deux heures. Vraiment, on leur dit bonjour, on demande comment ça va, etc. Ça prend deux minutes, ça. Si les gens veulent pas parler. Ça va et toi, la lampe? Quelle horreur la radio. Allez, bon, après. Excusez-moi, je réponds des trucs quand même. Il y a 2-3 boutons, je sais pas si vous avez. Pour la voiture aussi, pour allumer les gyros, vous voyez comment faire? Ouais, je pense que. Essayez. En fait, un petit test. Bon, essayez de mettre un coup les codes 3, du coup les sirènes aussi. Hein, 33 sergent disponible en DPH. Alors, ça. Et 22 10-4. Non, du coup, c'est plutôt le bouton juste à côté normalement. Voilà. Okay. Puis il faut toujours les faire dans cet ordre. Si vous faites l'inverse, vous allez avoir des soucis. Vous allez vite voir. Mais... Bah, d'abord les gyros et après la sirène. Mais... Oui. Oh, si, si, si. Vous si pouvez essayer, mais si vous êtes en grosse vitesse, disons que vous avez. Voilà. Okay. Alors attendez. Mm-hmm. Après, il y a 2-3 petits trucs qu'on peut faire aussi. C'est quoi le nom de la personne ? On appuie sur le klaxon en même temps que les gyros ou autre pour faire des variantes de sirène. Ok. Aussi donner un petit coup de sirène si on vous appuie 2 fois assez rapidement sur le klaxon. Hein. Ne pas la station. Allez, cadet, oui. Désolé. Non, mais j'ai pissé cadet qui vous ont pissé à la suite. 4. J'ai pas compris parce qu'avec tout le monde qui hurle dans la radio, je sais pas comment ce que tu viens de dire. Le 40. Non, en plus, on voit ce soir qu'il y a des. On voit que les gens sont revenus de vacances, okay, on est beaucoup en ce moment. On fait toutes les vacances, on était beaucoup moins ça. Et que là, il y a beaucoup d'activité là. Ok, c'est bien passé le contrôle? Ok, ok. Tu voulais mettre quoi comme amende? Ok, parfait, c'est parti. Et il a combien de points sur le permis encore, le monsieur? Ok, ok. Inter 2, c'est moins 9 points, hein, directement. Ça va.
C'est Delete 8, hein, oui, c'est bien ça. Ouais. Ah, mais la chance qu'elle a. Nickel. Parfait. Et nickel. Eh, bonne soirée. Centrale 10-4. Ah là là. Parce qu'il vient d'arriver à Rivenez, la sergent. Ah ouais, pourquoi? Mais elle vient d'acheter une voiture, c'est la plaque, c'est Ava. Mais non. Oui. Incroyable. Son prénom, donc. Ouais, moi j'ai la 22 mobile aussi. Je me demande si des fois ceux du zombie font pas exprès quand ils voient des plaques. Mais moi j'ai une voiture, il est écrit. Il y a mon matricule. Pour Tango Matisse. Ah oui. C'est pour vous ça. Voilà. En patrouille 71-71. Central 10-4. Moi j'ai ma Tesseract, il écrit 22 dessus. Donc ok. Un gros sticker, c'est écrit 22. Non, moi j'avais eu une Sultan, c'était Sultan classique, c'était marqué Ice, mais à l'époque il y a l'ancien chef de la cause, M. Flinch, qui voulait absolument me l'acheter du coup. Ah, tu l'as vendu? Tu le vends à 1 million? Ben j'allais y vendre, il voulait me proposer le double du prix de ce que ça se vendait habituellement, puis il est décédé un jour avant qu'elle puisse être vendue donc. Merde. Du coup l'offre a fondu. Oui, après c'est compliqué de vendre un véhicule à une personne décédée donc. Ah bon? Merci Adams. Oui. Oh, ça c'est de la grosse formation ça, Cadet. Vous retenez ce qu'a dit la formatrice, pas vendre véhicule à personne décédée. Ah, c'est noté ça, c'est noté. Ça c'est noté, ça c'est des solides, solides conseils. Ça évite de perdre de l'argent. Ouais, bah. À 10-4, 10-20. On a pris un poteau en 5 minutes. Ah, c'est triste. 10-4. Et de format, on va passer au Belize avant de rencontrer. Alors c'est une soirée un peu particulièrement mouvementée au niveau de la radio parce qu'on est plus d'une vingtaine en service là. Normalement comme un peu moins de monde. Généralement, un peu moins de monde en service. Ça dépend de vos horaires ceci dit. LM14, de côté sur le 10-48 et 19. Centrale 10-4. Après bon il y a une centrale donc c'est pratique. LM33, 4-4 sur 10-26. Ouais, pour le dispatch, vous l'avez sur les yeux en même temps que vous conduisez ou pas? Je peux avoir ça. C'est un bon conseil ça généralement. Okay. Et quand vous l'avez sous les yeux, du coup vous voyez comment ça fonctionne. Donc il y a la centrale qui est écrite à gauche, donc c'est Euster actuellement. Il y a deux modes de gestion, enfin il y a aussi l'Itera, mais on l'utilise moins, mais bref. Mais le principal mode de gestion c'est autogestion et centrale. Donc autogestion ça veut dire qu'il n'y a pas de centrale, donc c'est les agents eux-mêmes qui font leur dispatch et qui répondent aux calls des collègues. Et centrale, c'est la centrale qui s'occupe de tout centraliser, c'est le principe de la centrale. C'est-à-dire que tous les calls sont pris et sont à destination de la centrale, pour les calls classiques. Et la centrale s'occupe de garder des informations à jour sur les positions de tous les agents. Par exemple, là, je vais lui faire une petite faveur, c'est-à-dire que je vais aller nous clean du PDP parce qu'on était en doublant. Mais ça, c'est un petit détail. Du coup, au niveau de... Tac. Au niveau des... On est actuellement 10-31 sur vos juridictions. C'est pour nous ça. 10-5, 10-5 on a vu. Ah 10-4, LSPI, c'est bien pris. Super. Du coup, dans l'idée, on a... Voilà, mais pourquoi ils s'en vont de leur bagnole? Oui, ils courent. Ouais. Ils sont ravagés parce qu'ils ont laissé leur voiture là et ils vont faire un jogging, ils viendront la prendre après, je pense. Ça doit être ça. Ça doit être ça, moi je pense que c'est ça. Ils font une course, moi je pense. Moi je pense que c'est un... Pour savoir qui c'est qui pilote jusqu'à la maison. Ah bah 10-4. C'est ça. Il y en a le premier arrivé au BDP à pied. Il va falloir courir un peu plus vite, madame, ils vous distancent là. Ah bah... Terrible. Du coup, vous avez le nom des unités, donc le A c'est pour Adam, le T pour Tango, tout ça. Ouais. Ah, en fait, quand on suit pas, on suit non, pas. Non. Non, je crois qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'aide sur la commune, donc. S'ils avaient fait l'école sur la commune. 70-92. Ok. J'aurais pu faire barrage là ou pas? Si on avait entendu le call et que ça arrivait vers nous, qu'on avait compris à l'avance, on peut faire barrage à l'avance. Mais un barrage, et c'est toujours positionné à l'arrêt, bien avant que les gens qu'on tente d'arrêter n'arrivent. Parce que si. Enfin, faire barrage, c'est pas un pit, quoi. Faire barrage, c'est pas lui dans le mur, quoi. Ça, c'est un pit. Et si vous le faites comme ça en frontal, une véhicule qui arrive à 140, la survie du pilote, c'est pas. Elle a fait pas garantie.
Ça, par exemple, on peut poursuivre pour cette vitesse. À 10-4. Mettez les codes 3. On peut mettre les codes 3. Nickel. Et puis, 26, si vous pouvez annoncer en radio, du coup. Oui. On va voir s'il s'arrête déjà. Non, non, c'est qu'on poursuit. Un 26, 10-31 engagé, voiture sportive rouge suite à refus d'obtempérer pour un contrôle. Par Marina. Ah, le tempère. Une alarme pour accrocher. Non, c'est bon. Alors, on 10-5, la personne vient de se mettre sur le bas-côté. Hein. Eh bonjour monsieur, je vous ai descendu du véhicule, vous mettez le côté s'il vous plaît. 80-60. Central 10-4. 33-10-23 PTP. Eh bonjour monsieur. Eh bonjour monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous Du coup, ça va très bien. 26, je vous laisse faire la sécurisation. Ça va, ça va. Je vais vous demander un permis de conduire. Et si vous, pas de... vous savez pourquoi on vous a en contrôle, monsieur? Oui, oui. Très bien. De... mal de crâne du monsieur Globe Sébastien, monsieur a le permis, toujours. Ok. Combien de points sur le permis? 7. 7. Ok, ok. Du coup, tac, tac, tac. Si vous avez pris le nom de monsieur et que vous l'avez retenu, cadet, vous allez dans sur l'intranet. Oui. Vous avez un onglet commissariat puis un onglet procédure. Ah, attendez. Et là-dedans, vous mettez le nom de monsieur. Je suis pas fiché, c'est promis. Je travaille chez GC, je suis un homme honnête, ok. Ah bah ça arrive à tout le monde de faire des excès de vitesse, hein, moi le premier. Ouais, bah je viens de l'acheter surtout. Commissariat procédure. Il y a moins de 3 minutes. Ouais, commissariat procédure. Et puis casé judiciaire. Je vois pas. C'est sur l'intranet. Madame 37, on sera pas à Discord, des échanges louches en 82-10. L'autre. L'intranet. Ouais. Il y a un autre intranet. Monsieur, là vous avez votre compte bancaire, etc. Les données personnelles. Central pour Drago 26, vous confirmez que vous pouvez échanger en okay. Oui. Alors attendez, 26 c'était pour 5. Hein. 10 juin du coup. 80-60. 10-4. Il y a monsieur le cas judiciaire de monsieur, effectivement bien vient. Central 10-4. On va faire la première, première ligne de. C'est terrible. Alors. Ah mais c'est vrai, je m'étais jamais fait la curiosité pour essayer de faire un monsieur Globe Sébastien. Il est pas moins de 19. Race. Parfait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que. Donc, je vous explique après en détail, hein, mais en l'occurrence, monsieur va être amendé pour non-respect des codes de circulation. Donc, là, monsieur, effectivement, vu que vous aviez un excès de vitesse significatif, ainsi que vous avez traversé plusieurs lignes jaunes, évidemment, ouais, il faut vous dire, c'est pas bien. Il nous a fallu un certain temps pour vous attraper, on a même cru que c'était un délit de fuite pendant un certain temps. Ah non, pour le coup, je croyais que c'était pas pour moi, c'est pour ça. Comment il y avait. J'ai le droit à un hélico en plus ? Non, non, vous inquiétez pas, ça c'est pour la sécurisation des contrôles. Vous inquétez pas, c'est pas pour vous. Ah, c'est pas parce qu'on a peur de vous ou que ce soit. C'est juste. Jeu, attention. C'est juste pour la sécurisation autour des contrôles. Parce que vous savez, malheureusement, quand il y a. Oui, entendu, je lis. Quand il y a des contrôles, mais évidemment, voilà, ça peut être. Ça peut amener à ce qu'il y ait des gens qui aient de mauvaises idées. Et donc, pour votre sécurité comme pour la nôtre, on a des collègues qui sont autour. Mais vous inquiétez pas, c'est pas du tout. Il y a aucun souci là-dessus. Du coup, ce qu'on fait, cadet, c'est qu'on fait nouvelle entrée sur le casier de monsieur. Nouvelle entrée, oui. Vous n'enregistrerez, cadet, vous enregistrerez que quand je vous aurai dit enregistrer, ça va. Ouais. D'abord, vous allez faire nouvelle ligne. Central 10-4. Puis dans les délits routiers, vous mettez non pour non-respect des codes de circulation. Non-respect des codes de circulation, ok. Ensuite, pour le non-respect des codes de circulation, vu que monsieur, c'est la première fois que ça lui arrive qu'on l'arrête là-dessus et qu'il a littéralement rien dessus, on va se contenter de la moitié de l'amende. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une petite disquette au bout de la ligne non-respect des codes de circulation. La petite disquette, là, vous appuyez dessus. Ensuite, vous avez vu que au dessus tout ce qui est... Attendez. Ouais, pas de soucis. Délit routier. Ouais. Non-respect des codes de circulation. Quand vous l'avez mis, ça, la ouais. Petite disquette dans la ligne. Et vous voyez qu'il est mis peine supplémentaire. Ouais, peine supplémentaire, ouais, je le vois. Il est mis moins 2 points sur le permis ou retrait de la licence. Ça, c'est au cas où il y aurait que 1 point dessus. Ou que 2. Donc, du coup, en l'occurrence, ici, ce qu'on va se contenter, c'est la moitié de l'amende. Donc, vous voyez en haut à droite, il est mis que l'amende, c'est 1000$. Et ensuite, il y a la possibilité de la réduire, cette amende. Généralement, on met pas systématiquement la max. En particulier, quand les casiers sont très peu fournis, comme c'est le cas de monsieur. Ouais. En l'occurrence, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre l'intermédiaire 1. Je vous parlerai après en détail de pourquoi, comment, tout ça. Donc, ça veut dire 500$
et moins un point sur le terrain. Donc du coup, vous cochez la petite case 1-1 dans sélectionner un niveau d'amende, ça va. Ouais. Ensuite, vous allez dresser l'amende à monsieur. Pour ça, vous avez du papier sur vous. Oui. Également, bonne soirée. Directement. Donc là, on est sur le petit papier. Ça va pour mettre l'amende à monsieur. À la M14, vous pouvez rapprocher au chantier Venise. Prenez papier alternatif, là. Aïe. C'est bon. Et puis ensuite, vous dressez l'amende. Voilà, et puis là vous mettez non-respect des codes de circulation. Ou non-respect des codes de... Ouais, non-respect des codes de circulation. Promis, je les agresse pas, hein. Ouais. Là, c'était pour faire décrocher les victimes. Ok, montant 500. Montant 500, exactement. Très bien. J'ai pas envie de sortir la radio. Je sais pas. C'est pas grave. Vous pouvez valider l'amende, du coup. Et j'enlève la radio aussi. C'est bon, monsieur a payé l'amende. Ah non, c'est pété. 45, votre jeu marche pas. C'est pas passé ? Dans 5 minutes, 10 bah, vous êtes... Fait, ouais, fais attention, vous êtes mis... si tu fais payer une facture, là, ça va pas marcher, vous faites ça. Non, non, c'était non. Une... D'accord. Une amende. Bah, de toute façon, si monsieur l'a pas payé, remettez-la. Hein. Fait que des fois, on fait le... On se trompe pour les deux, mais... À ce moment, je la ferai, vous inquiétez pas, monsieur. Ah, mais c'est une volonté de sortir cette radio. Ouais, oui, j'aime bien la radio, j'aime bien la radio, c'est comme ça. Non, mais c'est parce que vous voulez me chatouiller le nez avec l'antenne, c'est pour ça. Là, c'est bon. Voilà, là c'est bon, le monsieur il a marché. Là il est passé, bon, faudra trouver parfait, une solution pour la radio. Franchement, arrêtez les silos 4 couleurs, là il est speedy. Hein. Ça marche pas. Ensuite, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retirer un point sur le permis de monsieur. Donc, vous pouvez demander au niveau du permis. Il est au niveau du permis. Oui, et vous faites retirer un point. Donc, c'est un peu pareil que pour l'amende ensuite. Mais, parfait. Retrait, point permis. Et vous en retirez. Voiture. Raison du retrait. Attention pour la radio. Ah non, je... c'est bon. Attention à la chatouillage de nez. On prend les derniers échanges louches. Ah non, allez, ouais. Je suis triste là-dessus. Contrôle 4. Okay. Bah, j'espère bien parce que je l'ai acheté. 2.1. Il y a pas longtemps. Adam 37, on se rapproche également. C'est bon. Une fois que vous avez retiré un point, vous demandez au monsieur de vous représenter le permis. Si vous avez une mémoire capable de retenir jusque 12, ça va le faire. Et puis ensuite, on va compléter le casier de notre côté. On va laisser monsieur repartir. Donc. Très bien. Et bah, bonne soirée, monsieur. Marche. Et faites attention au code de la route, de la vitesse. Ouais, tout ça, monsieur. Et puis, désolé si j'ai écrit c'était un délit de fuite, vraiment, j'ai. Oh non, non ça, c'est. Juste que ça témoigne bien de votre accès de vitesse, je veux dire. Vous étiez derrière depuis quand, juste pour que je puisse savoir. Non, je sais pas, depuis avant le LSS. Bon, ça va. Ouais, ça va, franchement. Vous étiez pas derrière moi sur l'autoroute, quoi. Non. Bon, bah, je vous aurais retiré le permis, sinon, vous inquiétez pas. Ah, nickel. Bonne soirée, monsieur. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. 10-23. Ok, ensuite, on prend le casier, du coup. Il faudra trouver une solution, du coup, pour pas avoir envie de sortir. Ouais, non, systématiquement, mais... Bon, là, je suis fini. Et jolie voiture, d'ailleurs, je la même. Et du coup, merci, là, c'est gentil. Hein. C'est pratique, le zombie car, m'empêche. Hein. Ouais, c'est une belle voiture. Hein. Bonne soirée à vous, monsieur. Ah, bonne soirée. 1-1. Effectivement, vu qu'il n'y a pas de GAV, vous pouvez mettre ça directement, vu qu'on l'a pas emmené en GAV. Sinon, si on l'amène pas en GAV, parce qu'on l'amène pas toujours en GAV, même si elle a de la GAV de préconiser, il faut mettre custom et puis le montant de l'amende. Mais là, du coup, il n'y a pas de GAV, donc vous mettez 1-1 directement. Ensuite, vous allez dans en haut à gauche, là, il y a le petit truc information. En type, vous mettez contrôle. Dans code postal, mettez le code postal d'ici, c'est 8160. Ok. Ensuite, dans remarque, attention, préparez-vous, est-ce que vous êtes prêts? Allez-y. Vous notez. 31, tiré. Pas d'espace, juste tiré. Ok. 26, tiré, 22. Ok, nos matricules, quoi. Absolument, oui. Espace. Ah, vous êtes doué. espace, slash. Bien. Ensuite, oui, donc, oui. Espace, slash. Espace. Aïe. INT en majuscule, 1. Ah ouais. Virgule, espace, moins 1 PTS. Central 14. Ok. Espace slash. Ouais. C'est vraiment détaillé. Combien 22h 23h 23h30, c'est maintenant. Vraiment détaillé, mais. Ah, ben moi je fais ça bien. Moi je vous apprends à faire ça. Ah, moi je le fais différemment, mais bon, après tant qu'il y a des infos. Mais... Et si, Adam, si vous faites pas comme je dis que c'est pas bien fait, mais pas un drame, mais c'est pas bien. Ensuite, une fois que tout ça est fait, vous allez cocher tout en bas à droite, enregistrer, et on sera bon.
Puis moi je vérifie que vous avez pas fait bêtise. Alarme 37, 23 PDP et 10. C'est bon 37. J'ai cliqué mais ça a impassé. C'est un plaisir. Ah, il y a peut-être un truc qui est pas validé. Vous avez bien coché le terrain à droite. Ouais, on va à droite. Ouais. 40 et 45, vous pouvez repartir. Comment il s'appelait encore le monsieur? Globe. Globe. Sébastien. Vous avez coché. Vous avez bien mis contrôle. Contrôle 80-60-31-26-22 oh, slash ouais, 21 blablabla. Non respect ouais. Des codes de circulation. Délit. Rémission, y a rien. Peine supplémentaire, 2 points. Et après, c'est pas coché les deux autres. Et. Vous voulez que je réessaye d'enregistrer? Ouais, ouais. Vous avez bien coché l'inter en haut à droite? Ouais, ouais. Ça affiche bien, ça affiche bien 250, 500, 1000, tout ça. Ok, donc ça veut dire que j'ai pas appuyé sur la petite disquette au bout de la ligne de l'amende. Là, c'est bon. Maintenant, vous avez les montants qui sont affichés du coup. Et effectivement, ça va mieux. J'enregistre. Parfait. Non, moi je. C'est enregistré. Hop. Et on voit. Tac 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 tac. Ah c'est parfait. Bonne soirée à tous. Nickel. 10-4, bonne soirée. Parfait. On est parti du coup. Je crois que j'ai oublié. Je suis plus pour les routiers si on les met dans la station ou pas. Non. Non non on les met pas. TSP c'est bien pris. Donc non alors c'était. Attendez, je vais faire un truc pour la radio. Ouais, moi je suis un tout petit peu distrait un instant. Centrale 10-4. Donc. Et Togo 26, code 4. Centrale 10-4. Ah, Pep, je pense qu'on peut aller. On peut aller faire un petit coup de plein, parce que je vais montrer aussi un autre, autre point où on peut faire le plein. Il y a le PDP de Vespucci un peu plus loin. Ok. Je crois que l'entrée est plus ou moins vers ici. N22, il y a une unité qui a pris le dernier dépôt de paquet. Et après, Véry, il y en a. Il n'y a pas que le PDP en ville, il y en a 2-3 points de. On peut se ravitailler en essence, on va vous le montrer au fur et à mesure. Ah, à 10-4, s'il y a une unité disponible, ils font envoyer quelqu'un. 14 ou 2 km. Mais en gros, généralement, on sait que sur la carte il y a le logo des postes de police. Généralement, à ces endroits-là, il y a, on va aller refuel, hein, y a de quoi faire l'essence. Hein. Ok. 23, 3 km pour le paquet. Vous pouvez répéter, sergent? Entrée 24. Ah, excuse-moi, j'étais distrait, c'est juste qu'il y a personne qui va prendre le dépôt de paquet alors qu'il y a 4 unités disponibles. Je vais vous montrer. Il y a celui-ci. Bien. Mettez la voiture perpendiculaire de la position actuelle. Après, généralement, De ce côté-ci ou de l'autre côté de la pompe, exactement. Soit comme ça, soit de l'autre côté de la pompe à côté. Y accéder facilement. Et que okay. Aussi deux voitures puissent refueler en même temps sans se gêner, en fait. C'est ça l'idée. On verra les autres, mais il y en a. Le 3 compliqué, autres, tous les sites à regarder en même temps. Hein. Enfin, je prenne le pli, mais compliqué. En gros, il y a celle qui est vers la fourrière. Est connu, puis une aussi autre au niveau du casino, mais sur Vespucci, sur Vinewood. Mais bon, on verra au fur et à mesure. J'en ai une un peu cachée, qu'il y en a même des qui connaissent pas à l'aéroport. Ah, mais ça, il faut vraiment la montrer, elle est pas indiquée sur le GPS. Hein. RS. 34. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on est 28. On est beaucoup, mais il se passe pas grand chose ce soir et donc l'humanité, il me semble. Ouais, en dehors de des postes qui font n'importe quoi au pénitencier, si j'ai bien compris. Oui. Bon, après, on va pas se plaindre avec les deux semaines qu'on a eu là. Les dernières semaines, t'as bien agité, etc. Toujours la merde là, ça fait un peu du bien, une soirée un peu normale donc. Ouais, 10-4. Allez, on va juste aller lui faire un rappel de la vitesse parce que c'est pas non plus.
Juste éviter, s'il rentre dans le Black Cat, de faire le contrôle dedans. Après, ceci dit, là, s'il rentre dedans, on va le chercher jusqu'où il va. Juste te faire sortir, parce qu'on s'est déjà fait engueuler par les patrons. Et bonjour, madame. Et bonjour. Vous allez bien? Ça va, et vous? J'ai l'impression que vous roulez un peu vite, c'est pas pour vous faire une amende ou quoi que ce soit, mais faites un peu attention à la vitesse, parce que après, sinon, c'est un quasi-cousin d'accident, en particulier en moto. Ah oui, oui, désolé. Y'a pas de problème, une bonne journée à vous, madame, faites attention. Bonne soirée. Centrale 10-4. À mes yeux, c'était pas, pas non plus 140 qu'elle roulait. Hein, c'est bon. Puis par rapport au port du casque aussi, c'est un peu. Dans l'état, il n'est pas obligatoire. Oui, il n'est pas obligatoire. On ne peut pas les arrêter pour ça aussi, si jamais. Mais... Ok. Après, c'est plutôt eux qui risquent leur vie s'ils mettent pas un casque. Donc, légalement, ils ont le droit de ne pas porter de casque. Donc, Je pense, je me demande si je vois pas qui c'était là. Je pense que c'est une des Weasel News. Hein. Et 39 pour tous, vous passez en auto-gestion pendant 5 minutes. C'est vrai que là, les deux derniers jours, c'était plus chill. Mais c'est pour ça qu'ils ont retiré l'état d'urgence, j'ai cru comprendre. Oui, je pense peut-être pour ça. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que. Ouais, que moi, je suis revenu quand les buts de soirée, là, je fais la semaine de vacances, donc j'ai pas rendu compte. C'est pas pour nous. Madame qui fait des essayages de vêtements, grand bien lui fasse. Alors, généralement, dans les patrouilles classiques, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par tous les endroits où il y a des trucs un peu souvent qui se passent, c'est-à-dire tout ce qui est. Yannem 14, 10, 23, ATM. 18, 14. Allez, bonne soirée! Tout ce qui est magasin de vêtements, toutes ces choses-là. Okay. Oui, supérette, magasin de vêtements, coiffeur, tatoueur, etc. Non. Et après les ATM, je pense que vous verrez. À force de les voir, vous saurez où ils sont, mais il y en a vraiment beaucoup. S4 là, et 22 pour 30, vous êtes disposé dispatch après? Ok. S4 après ici. Allez, S4. Bon, c'est moi, je les connais pas tous là, donc. Dès qu'ils avaient fait une carte à une époque. Je crois que vous avez fait une carte ATM à une époque, mais je sais pas si elle est toujours à jour, ça. On doit l'avoir quelque part, ouf, mais... Ouf, après, ça sert à rien de les connaître par cœur, je sais que c'était un musée, mais... Non, c'est par exemple, celui-là qui m'avait fait ma forma KD à l'époque de l'âge de la SHP, lui, il les connaît tous par cœur, il les a tous montrés, mais... On est parti. On peut central, 1 km du dernier. Non, mais on n'est pas parti. On n'est pas parti, parce que 85-54, on est 1 km. On peut 10-4, du coup. Ils sont plus proches, hein. Je trouvais déjà que KD 10-4, mais... Et de 33, on est à 1,3 km. À 10,5 pour 33, une seule unité pour le distributeur, c'est bien. C'est où? Non, ça c'est un peu loin. 93,10. Ah, ceci dit. Pas bah, annoncé. De la dame 33, on prend les dernières personnes suspectes. Ok. X4. Central 10-23. On serait bien de port un petit. Aura un petit 10-31 pour voir aussi la conduite, comment ça se passe à ce niveau-là, mais on verra si on a de la chance. Il y en aura. S'il y a des moments, des fois, ça se calme bien vers les 23h, puis il y en a des qui commencent à. Ils vont braquer vers entre minuit et 1h du matin, au Tiamouane. Ouais. Ce qu'ils se disent, les gens, ils vont se coucher, donc ils profitent. Ah, bah non, Tango 26, on raccroche pour sécurisation. Ça. On va du coup aller vers 82-54. Non, on peut aller en. Oui, sans code d'urgence, sans autorisation. 10-4. Merci pour le call, c'est vrai que j'expliquais des trucs en même temps, j'avais pas suivi. Oui, absolument pas de soucis, mais du coup on va en 82-54 et... Et mes points du coup sur le GPS. 10-4. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner autour de la zone pour s'assurer que tout va bien au niveau de... Au niveau du 10-26, c'est une arrestation. Ok. En particulier du fait que c'est juste à côté d'un quartier de gang. La carte des quartiers de gang, faudra que vous la mémorisiez. Hein. Je vais pas vous mentir que c'est important. Je sais pas si vous êtes passé en mairie pour les questions. À l'époque, il l'a donné, mais maintenant je suis passé encore le cas. Ah, c'était cool. On a mis à jour la. Le 10-4, on l'avait déjà.
À l'époque, ils nous mettaient une petite liste de zones à éviter, mais de toute façon, on doit l'avoir quelque part dans les documents. Les zones, au niveau de... On va faire un demi-tour ici avec les codes 2, du coup. Enfin, demi-tour à travers tout. Et on va se mettre en sécurisation en avance. On roule. Au niveau de l'entrée de la pompe à essence, ici, là, du coup. Juste un tout petit peu plus loin à droite après le poteau, je dirais. Voilà. Donc ça veut dire la voiture en travers pour empêcher de passer. Un peu plus 26, en avant encore. Tango 26, 10, 48, 82, 54. Voilà, parfait. On utilise la voiture pour faire barrage, comme ça, parfait. Et de Adam 33, code 4 sur les personnes suspectes. Ah, venez avec moi, code 4. On va partir du principe qu'on est juste deux et que Adam, c'est pas avec nous. Quand on est juste deux pour la sécurisation, comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se met un. Mais mettez-vous, Adam, ça, en position, du coup. Un au niveau de la roue avant, un au niveau de la roue arrière. On se met deux biais pour être dos à dos et pour pouvoir regarder les différentes positions. Ici. Ce qu'on sécurise, nous, par rapport aux collègues, c'est les angles que les collègues ne sécurisent pas directement. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Le but, c'est de voir d'où ça pourrait venir. Là, vu qu'on est trois, on ouvre tout le terrain, quoi. Arme à la main, du coup, quand on est en sécurisation. Ouais, je mange un burger, sinon je mange le taser. Sinon, ça, c'est moins bien. Sinon, l'arme, c'est armé, oui, généralement... je suis pas sûr qu'elle sert à grand chose. Quand vous aurez le PPA pour le sécu, on sort plutôt du coup le PDC que le taser. Donc, on sait jamais ce qui peut arriver. Des fois, c'est un peu plus dissuasif quand on a le PDC que le taser, pour certains. Bon, pour le coup, là, vous n'avez pas tellement le choix entre le prendre le taser. Nozuki, merci beaucoup pour ton 16e mois. Merci, Odin, à toi. 233 patrouillant 92-45. 14. Qu'est-ce qu'il fout ton 92? Yohan Fritz. La 22.33, je voulais se mettre à jour votre dispatch. Oui. Ah bon, on était vraiment beaucoup avant, il y a un peu tout le monde qui est parti en même temps, là, j'ai l'impression. Oh, c'est normal, c'est l'heure. Oui. Ouais, je vais pas tarder non plus, hein. Je vous le cache pas. Ouais, ouais, du coup, au niveau de l'arrestation du monsieur à tout à l'heure, c'est le truc à savoir en plus quand c'est des arrestations pour des délits qui sont pas des délits routiers, c'est qu'on rajoute le nom dans le canal d'arrestation. Ok. Sur un train de Discord. Ça permet aux autres agents qui sont sur le truc de savoir aussi et d'avoir accès au casier. Ça permet aussi que s'il y a un truc qui part en couille, on a le nom de la personne avec qui vous étiez. S'il se dit oh tiens, il a rangé son truc, il est sorti de son téléphone, je vais sortir mon arme et m'occuper de lui, bah on a son nom, quoi. Donc Ok. Après, on s'occupe de lui, quoi. Ah, forcément, c'est pas l'enjaille, hein. Bon, après, vu qu'on vient de sortir un état d'urgence, deux semaines assez difficiles, il y a eu des... T'es rentré en fait là-dedans, parce qu'il y a eu plusieurs agressions sur des agents de police, donc maintenant... Actuellement, on va essayer de les collègues le plus souvent possible quand il y a des... Je suis épuisé, chat. J'avoue que j'écoute à moitié ce qu'il me raconte. Ouais, c'est des consignes qui sont pas loin, mais... malgré la fatigue. Être revu en ça, mais... Dans les manuels, sont toujours là. Dans l'absolu, on n'a rien d'autre à faire de toute façon, donc rien de dramatique de faire ça. Bah déjà, jusqu'avant la formation, début de formation initiale, on est tout le temps avec des 4-3, au moins une patrouille, là ça vient d'être levé, donc on est retourné aux armes traditionnelles, ouais, conventionnelles plutôt. Je m'étais fait à MP5. Ah bon, je m'y étais fait, mais j'ai 36 aussi, là, depuis 3, bientôt 2-3 semaines que je l'avais, mais... Après, j'ai 36, vous la sortez que si vous êtes... SWAT. Ouais, mais que si vous êtes en Adam Lord, non? Non, quand on est SWAT, on peut la sortir pour ça. Donc... Ah ouais, c'est bizarre ça. Oui, c'est ce qu'il nous a dit. Donc... Ok. Puis on peut donner l'autorisation aussi à un autre qui n'est pas du SWAT de prendre une G36. Hein. Oui, c'est une patrouille à quelqu'un du SWAT aussi. Plus 4. C'est un peu le même principe qu'avec les. SPD 10-4.
Ah avec bah, certaines super, voitures pour okay, l'UI, super. En écurie, on peut éventuellement sortir la Vaca, par exemple, ou autre. Bien la Shafter, si on veut, si il est d'accord. Ouais. Ouais. Puis qu'on peut pas quand on n'est pas avec quelqu'un de lui. Je t'ai mis un avant, avec quoi. Le Shafter. Moi j'aime pas Shafter, je préfère la merci beaucoup pour ton raid, merci, j'espère que ton live s'est bien passé, bienvenue à tous, merci beaucoup. Mais vu qu'Adèle est Tesla là. Non. Je pensais que vous étiez 100% concentré sur la sécurisation là. Ah je le suis, Il y a actuellement 72 feuilles dans le palmier juste en face de moi. D'accord, d'accord. Non, je pense que moi j'entends la moitié de la conversation en fait depuis tout à l'heure. Je l'ai peut-être, j'ai peut-être coupé le cadet avant. Non. Je roule plus. Mais là l'espèce de truc là avec les lumières rouges là. Ouais. C'est le. Ça fait partie du quartier du cercle. Il y a un groupe. Du quoi du cercle. Le cercle, oui. C'est un groupe peu recommandable. Un groupe en rond. S4. Ouais, c'est ça. D'accord. Et pour 30 stand-by PDP. Hey yo tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Le PC, sauf qu'on doit manger. Bah écoute, j'ai repris l'école. Ok, ouais, donc ouais, j'avais un peu la flemme. Je pensais qu'il l'avait déjà dit, tiens. J'avoue que c'est pas la folie, mais ça va, ça va. 22 pour les unités qui sont sur le terrain, il y en a qui vont discuter bientôt. J'espère que tout va bien pour toi, malgré ces galères. 48, 17, le PDP. On est parti du coup, on est parti. 33, code 4 sur la personne suspecte et 10-23 PDP. S4. Tango 26, code 4. Et Tango 45, pareil. Adam, vous aviez vous aviez gentiment. Ouais, je sais pas, c'est parce que j'ai réfléchi pour mettre à jour les dispatch. On avait 19 alors. Ouais, mais je vais faire un 18 aussi. OK, pas de souci. Il 09, merci beaucoup pour ton 8e mois, merci, bienvenue à toi. Bon 26 19. Je dispatch aussi à modifier. J'étais en train de le faire. Hein. Parfait, parfait. Ah, parce que je sais qu'il n'y a pas de centrale donc. Profitez de ce gameplay les gens car dans 5 jours il est commissaire. Ah non, faut laisser la place à Nebus. Togo 45, 10-23 VP. Et 10-4. Togo 26, 10-23 PDP. On parle plein avant. Ouais, en marche arrière du coup plutôt. À côté de la bonne présence. Et de 40, 18. Est-ce qu'elle bonne soirée. Et après ça vous pouvez ranger la voiture. Ouais, ça marche. Attends, déjà, je vais dire bonjour. Ah, nickel, vas-y. Et bonjour, comment c'est votre nom du coup? Soares. Soares. Ok, ok. Et bah, enchanté, officier Aster 39. Et bah, enchanté. Bienvenue au LSPZ. Merci. J'espère que ça va vous plaire et puis. Bien sûr. Il y a plein de choses à apprendre et vrai que c'est top, ça rend addict au début. Ouais. Ça marche. Bon allez, je laisse garer la voiture. Moi oh, c'est faute simple tour de PDP. Mais... Oh, puis une semaine de mise à pied.
Bienvenue encore une fois à l'SPD. Merci. Et puis, donc là, il n'y a pas de. Est-ce que vous avez accès pour modifier les. Est-ce que vous avez accès pour modifier les trucs sur le dispatch ou pas encore? J'ai déjà vu ça avec le commandement ou pas? Qui, moi? Ouais. Oui. Genre, si vous essayez de supprimer, faire un petit delete sur 31 sur S, ça fonctionne ou pas? Non. Ok, non. D'accord. Venez avec moi. Oui. Bien, ils vont ici. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, quelques-uns qui vont s'arrêter là-dedans. Il y a des chances. Commandant, vous avez une seconde pour moi? 44 IL 777 chat. Vous l'avez vu? Elle est ressortie. À qui moi? Alors, que dalle. Que dalle. Bonsoir. Le cadet, il a pas accès aux questions sur le dispatch. Descat. Oui. Voilà. Est-ce que vous voulez de cette information? Oui, je vais voir ce que je peux faire, mais bon. Voilà, bah c'est, on verra ça la prochaine patrouille du coup. Ouais, c'est une personne du Weasel, je crois. Et puis y a pas de soucis. Je vais vous dire. Je vais aller reposer toutes mes affaires. Ouais, bah nickel. Et faites le call du coup, radio. Ouais, ça marche. C'est un 18 de 31. 14, bonne soirée. 14, bonne soirée. Bon, j'arriverai bien à voir qui c'est qu'il l'a. Là. Zero 2 18, bon courage. 10-4. Et 2-33 18, bon courage. 10-4, bonne soirée. Si, la bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. Moi je prends 33. Allez, changer et puis voilà. Bon, mesdames et messieurs, ceci est une fin de live. Merci à tous d'avoir suivi ce soir. Hop, hop, hop. Qui c'est qui est en live à cette heure-ci? Qui c'est qui est en live? Déjà, on va faire ça. Hop, hop, je vais vous mettre un fond. Alors. Miss Click, elle est en live? Eh ben, allons chez Miss Click. Merci à tous d'avoir suivi ce live, merci au sub, resub, au sub gifter, au follow à la modération, merci à tous, je vous souhaite une bonne nuit. Demain c'est pas dit qu'il y ait live chat, donc mercredi certainement, mais voilà. La bonne soirée, ciao ciao.